Miche, Miche. Elle te met deux bandes à Oh, je pied, vais lui là. mettre. Oh. Oh, jeune homme. Oh, jeune. Oh. Oh, jeune. Qu'est-ce que tu peux. Oh. Allô. Ah, il bouge pas. Bah, ça fait trois mots quand même. Hein. Allô. Ah, voilà. Putain, oh putain. Oh, il me tartine la gueule. Aide-moi. Tartine là, Miche, Miche. Oh, ça me va, ça me va. Oh putain, c'est bon, c'est bon, c'est bon, calme-toi, j'en ai culé. Elle monte dans la voiture là, enculé. Monte, monte, jeune, monte. Monte, il m'a éclaté la gueule là. Monte, monte, je te dis, monte. J'en ai fait mon affaire personnelle, il est par terre, ça me rend qu'il est par terre. Attends, t'inquiète. On peut y aller, on peut y aller. Oh, il t'a agressé, il m'a agressé. Va lui cracher dessus. Non, cracher un molar. Voilà. Non, mais un bon molar. Je suis à fond là, je suis à fond là, le crash. Il crache, mais genre un bon molar là. Ouais, ouais. Tu veux qu'on regarde ce qu'il a sur lui? Exactement ce que je fais, Jeanne. Petite salope, va. Bon, je pense qu'on va y aller parce que c'est pas qu'il s'est non plus. Hein. Voilà. Voilà. J'en connais, il va marcher. J'en connais, il va marcher. J'ai pris les clés dans ta voiture. T'apprends à pas dire bonjour. Je le connais, il va marcher, Miche, Miche. Allez, viens, on y va. Eh, j'étais malin, là, ou pas? T'es super malin. Allez, monte. Allez, attends, attends. Oh. Alors, à défaut d'être poli et d'être muet, tu vas apprendre à marcher, la conne de ta mère. J'ai pris les clés dans sa maison, ça. Aussi. J'ai pris les clés dans sa maison. Attends, mais les clés dans sa maison. Ah bah, il est bien dans la merde. Lui. Ah, j'y ai tout pris. J'ai tout pris. Ah, moi, tonton Marcel, tu me la fais pas à l'envers, moi, hein. Oh, tu as vu, c'est un peu mal poli que tu es. Bon, en fait, c'est bon, merci quand même. Tu sais pourquoi? Mais franchement, merci. Tu sais pourquoi je suis comme ça maintenant? Non. Tiens, viens, on va à l'hôpital, on va chercher un peu de cash. Tu vois, j'ai envie de passer un peu de temps avec toi. Non, mais non, mais arrête. J'ai envie de passer un peu de temps avec toi, jeune. Oui, mais bon. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, vas-y, viens, on passe un peu de temps ensemble. Oui, bien sûr, mais justement, on va discuter. Écoute-moi bien, jeune. Tu sais, par rapport à la fois là où j'ai été tiré là comme un canard. Oh, frère, ils m'ont mis dans un délire encore, frérot. Attends. Mais c'est bon, t'inquiète pas. Tu dis, écoute, dis-lui que pour le moment, on est ensemble. Voilà. Attends, Marcel là, il m'emmène je sais pas où encore. T'inquiète, on va à l'hôpital. Je suis des amis, on va chercher des analgésiques. On y va aussi là. Ouais. Non, bah alors, de toute façon, tu restes avec moi après. Je vais te faire ta voiture. De toute façon, tu viens de voiture. Ouais, je te disais. Tu sais, par rapport à l'histoire là, de mon assassinat, Michel Michel. Bah, t'es pas mort alors? Ouais, non, mais je suis pas mort, mais je vais voir le psychologue. Ah ouais? Ah ouais, ça me fait un bien. Oh putain! Oh! Mais du coup, ouais, parce que je sais pas quoi, j'avais été voir. Merde, Taco, je sais pas comment il s'appelle là. Ouais. Mais attends, je t'explique le psychologue. Paco, j'avais été voir Paco, ouais. En fait, tu m'avais dit que t'étais dans le coma. Ouais, je t'explique le psychologue, d'accord? Vas-y. Ah, le psychologue, donc, il me fait mettre en position fétale sur un canapé. Comme si j'étais un bébé, et il me fait dire des choses. Et il m'a appris à dire deux choses. Il m'a appris à dire j'ai peur. Et je le dis bien, hein. J'ai peur. Et il m'a appris aussi vous devez assumer et vous devez montrer votre mécontentement. Donc là, personne ne m'a pas dit bonjour. J'exprime, j'extériorise, tu vois, pour pas que ça me ronge de l'intérieur, que je fasse le cancer. Il a dit. Tu comprends? Je comprends. Donc voilà, faut pas me faire chier. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, vas-y, redis-moi. Donc, quand t'as peur, tu dois dire quoi aux gens? J'ai peur. Tu me dis bien. Et je le dis bien. Alors, tu sais combien ça m'a coûté? $500 la séance. Mais franchement, au bout de 10 séances, j'arrive à bien le dire. Regarde, j'ai pas peur. Je peux le faire devant le monde. Il n'y a pas de problème. Écoute bien. J'ai peur. Tu le dis vachement bien. Ouais, je trouve aussi. Bon, dis-moi un peu, mon petit Miche, tu veux une voiture? Bah ouais, j'en ai marre, ta voiture bleue. On a combien de budget? T'es sérieux, là? Comment ça, je suis sérieux? Non, mais c'est pas ce que tu m'avais dit. Je t'avais dit quoi? Je me rappelle plus, moi, ce que je t'ai dit. Tu m'avais dit que ta voiture, ça te plaît pas, pas de soucis, je t'en refais une autre. Ah, bien sûr, pas de soucis, je t'en refais une autre. Elle me plaît pas, tu m'en refais une autre. Ah, bien sûr, je t'en refais une autre, mais il faut un peu d'argent, quand même. Moi, je veux bien te faire les facilités, mais il faut un peu de liquidité. Bah, 5 000. Oh putain,
Bah ouais, là. Attends, mort. Tu gagnes, sérieusement, tu gagnes pas d'argent, petit. Mais je suis rappeur, moi. Ouais, bah c'est pas... Ça a pas l'air de bien marcher, non? Bah, j'ai fait un concert, j'ai gagné 20 000. Et les 20 000, ils sont partis au pute. Ah ouais. En Grèce. Bon, écoute-moi bien. Tu veux pas travailler un peu pour tonton Marcel? Ça dépend. Bah, c'est honnête, hein. Eh ben, tu me ramènes... Tu vois, tu vas un peu les mes mérites de customiseur de voiture. Et moi, je te donne de l'argent. Oh bah, je te donne une fois que j'aurai pas de voiture, par contre. Non, mais même si t'as pas de voiture, tu vas auprès des gens que tu croises, tout ça. Tu dis, je connais quelqu'un. Il te fait des meilleurs prix que le Beniz ou l'Urban Custom, là. Il te fait des prix flambants. T'es fier de toute concurrence. Il te fait un métier de fou avec la MTC. Tu vas un peu le truc, tu vois. Et moi, en échange, je te... Oh, putain. Oh, regarde, c'est un cimetière. Tiens, tu veux une voiture, sers-toi. Hey, les gars. Non, tu vois pas que c'est des gens qui savent faire pipi. Tu m'entends, jeune? Ouais, je t'entends, ouais. Les gars, j'ai une question. Ma voiture, elle est toujours sur moi, ou quoi? Ah, monte, qu'est-ce que tu fais? Attends, je regarde un peu si c'est une voiture de merde. Mais non, tu vois pas que c'est des... Putain, dis, tu m'écoutes? Allez, monte, dépêche-toi, ouais, petit, démonte. C'est des gens, ça, qui savent faire pipi. Enfin, respecte-toi un peu, tu n'es pas un voyou, tu n'es pas un voleur. Non, et au moins tu te fais un peu d'argent, et moi tu m'amènes les clients. Et tout le monde est content. Et ouais, moi, mais je peux pas aller voir avec ma voiture de merde, tu vois. Ouais, mais bien sûr. Mais moi, si je vais les voir avec la voiture bleue là. Oh la con de ta mère, lève-toi du milieu, tu sais pas conduire. C'est mes potes, Eh ben alors, ils savent quand même pas conduire. Tiens, moi, ils savent pas conduire. Attends, arrête-toi et dis que j'ai peur. Arrête-toi, ça, voilà. Attendez, arrêtez-vous les gars, arrêtez-vous. Il va vous dire quelque chose, écoutez-le. Ah les mecs, vous conduisez vraiment comme les connards là. Non, non, pas ça Marcel, dis ah, ah oui, ah ce que mon psy m'a appris à dire. Attendez, regardez bien. J'ai peur. Voilà, parfait, on peut y aller. J'ai peur. Je le dis bien. Ouais, vous avez vu les gars, il a peur, on peut y aller. Putain, ouais, là, on y va, c'est là ta peur. C'est quelqu'un d'important. Comment ça fait que t'as les gens comme ça, que toi? Ah, c'est la famille. Ah, d'accord. Eh ben tu vois par exemple la famille, peut-être qu'ils veulent que je leur fasse en voiture. Ouais mais bon là je pense qu'ils ont pas envie vu la voiture que tu m'as fait. Non, ils ont envie. Ah non, ils en ont pas envie du tout, je te le dis. Ils savent qu'on va pas par là-bas. Mais là tu m'as fait peur, là j'ai peur. Maintenant j'ai peur. J'ai peur. Non tu arrives pas, c'est normal. Vas-y on fait. J'ai peur. J'ai peur. Mais tu sais pourquoi tu arrives pas? Parce que j'ai pas peur. Parce que t'as jamais eu peur. Ah, c'est pas bête ça. Eh ma foi, c'est évident. Voilà, ah, t'as jamais eu la grande de frayeur. Ouais, donc petit, je t'explique. Mais tu sais que si tu me donnes pas de voiture, tu pourrais avoir peur. Hein. Ouais, non, c'est bon. Non, mais écoute-moi, t'inquiète, on va arranger ça, fais pas de soucis. Ok. Ah, je te disais, moi tu m'amènes un petit client, et moi je te donne un petit billet. D'accord, moi, mais moi je veux juste une petite voiture mieux que celle de la voiture. Franchement, je peux te donner par client, ça dépend combien on vend, tout ça, la voiture, ça, le modèle. Je peux te donner entre 10 à 30 000, tu vois. Ouais, juste pour parking, faire. Attends, j'ai une question, tu peux m'emmener au parking central, s'il te plaît? Bien sûr. Voir s'il y a ma voiture. Oh. Merci. Mais ouais, on va te faire une petite voiturette. Non, une voiture. Combien de places? Bah, 4 en fait, depuis le début, je te demande ça en fait. Depuis le début, je te demande une 4 places, mais jamais fait une 4 places. Tu m'as donné une 2 places, en plus ça commence pas. Écoute-moi. Toi, tu m'as donné un tracteur. Écoute-moi, je t'ai fait la plus belle voiture de tout Los Santos. Tu n'as pas su exploiter pour te faire des meufs ou des hommes ou des chèvres. Je pense que tu aimes, toi. T'es un peu bizarre. C'est pour nous? J'ai rien fait. J'ai brûlé quelque chose? Non, c'est moi. La con de ta mère, j'ai brûlé un feu ou pas? Je brûle pas les feux! Allez bien vous faire enculer! Non, t'as peur, j'ai peur. Non, je suis énervé. Les policiers, la dernière fois, ils m'ont arrêté parce que j'ai une tentative de meurtre sur magistrat. Ah ouais, quand même. Ouais, mais je suis sorti libre au bout de 7 heures. Ah qui ouais, est la con de ta mère, ah. Tu l'as vu le feu rouge? Ouais, j'ai vu. Oui, ça. Bon, ouais. J'espère que ma voiture, elle est là, parce que si elle est pas là, je sais pas où elle est. Oh, qu'est-ce que c'est? Oula, mais c'est quoi, ça? C'est quoi, ce bordel, ici? What? Oh, c'est Noël ou quoi? Oh, le sapin, il semble que c'est en hauteur, c'est pas... C'est vertical, pas horizontal.
Oh, oh, la conne de ta mère. Oh, le sapin, c'est vertical, oh là là là. C'est pas horizontal. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas chaud. C'est le sapin qui... Ah, c'est le sapin qui... Ce bordel, monsieur, là. Oh, comment ça va, les jeunes? Moi, je t'aime rien, Martien. Oh, comment... Qu'est-ce qui se passe, en fait, le sapin de Noël à plat? Mais non, parce que, tu sais, sur le parking central, c'est souvent la scène, il y a des morts, il y a des blessés. Du coup, on s'est dit, on va réguler. C'est le sapin qu'il faut. Ah ouais, un sapin. Le sapin de Noël qu'il faut, en fait. Amigo, là, Latino, viens. Ah, c'est Latino. Eh, qu'est-ce que tu fais, Michemich? Ne fais pas ça. Tu viens d'où, amigo? Mais Paraguay. Michemich! Qui est con, celui-là? Allo, viens me chercher sur le parking là, non? Ouais, je suis en haut. Non, mais je vais pas monter en haut, tu viens me chercher, ramène ma voiture s'il te plaît, je comptais. Quoi? Tu vois? Mais c'est pas ta voiture, c'est pas ta voiture, non? Je suis en haut du parking. Non, vous l'aurez. C'est en haut du parking, c'est qui est parti avec ma voiture, c'est toi qui parles. C'est un, moi. La police, y'a pas de soucis. Bon, ramène-moi ma voiture s'il te plaît. Allez, c'était pas ta voiture? Tu te fous de ma gueule là? Ah non, je me fous pas de ta gueule, hein? Ouais, elle est où ta voiture? Moi je suis en haut du parking là. J'allais voir si elle est ma voiture. T'es sérieux? Ramène-moi ma voiture, Michemich. Je ne l'ai pas ta voiture. Je te la donner, tu me déçois énormément. Arrête de faire l'enfant. Allez, dépêche-toi. Mais je ne l'ai pas ta voiture. Ramène-moi la mini paria, ça va pas le faire. Tu es pas en haut du parking, arrête de prendre les gens pour des connes. Dépêche-toi. Ne joue pas ça, tu vas le regretter. Allez, dépêche-toi. Mais regarde, t'es où là? Mais je te vois, ma foi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais l'essayer? J'avais décidé de te la donner en plus. T'es vraiment un couilleux, hein? Non, attends, deux secondes, on va discuter avec mes collègues médecins. Mais putain, pourquoi on est au téléphone l'un à côté de l'autre? Complètement coucouille, toi. Hein. Attends, je raccroche le téléphone. Bon, descends de la voiture, tu pourras la conduire après. Reviens ici. Reviens ici, la conne de ta mère. Par contre, tu parles à qui comme si j'ai le con de ta mère, là? Ah, ma foi, c'est une expression. Garde-toi, deux secondes. On peut pas que t'aies peur. Ouais, j'ai peur, j'ai peur. Bon, allez, viens deux secondes, on va discuter avec les médecins. Elle est pas mal cette voiture, elle est pas mal. Hein, elle te plaît? Ouais, j'espère que tu me la donneras. Ah, je... Alors. Hola, les chicos. Hola. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils veulent, les. Hola. Bien, bien, bien et tout. Ouais, c'est bien. Vous avez pas un peu de. Des pétos. En fait, ils vous expliquent. Ils sont arrivés là tout à l'heure par bateau. Là, si tu vas au Vagos directement, t'as des pétos. On va où? Ça va, laisse aller parler, Michemich. C'est tout en bas, c'est au port. Bonjour les jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Si vous voulez, c'est la merde, je viens d'immigrer. J'étais. Je suis en. Putain, sa mère, je galère à parler. Je suis enfermé, je suis resté enfermé 8 jours dans un cargo. J'avais pas. J'ai mangé de la merde, j'ai mangé ma pisse. Sa mère, j'ai survécu. Non, tu l'as bu la pisse. À moins que tu mettes de la gelée dedans pour faire, je sais pas. J'ai Ah, mais c'est pour ça que c'est cake quand tu parles. Non, tranquille, tranquille, c'est la laine. C'est la laine. Oui, bon alors qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Jeanne? Si t'aurais pas un petit de quoi bouffer, un peu de dinero, des pesetas. Ouais, en gros, tu veux que je fasse la mama et que je t'entretienne? Pas du tout. Tu me fais un petit billet, il n'y a pas de problème. Au pire, tu va à la banque là-bas, il va me donner un peu d'argent. Ça m'a fait de la peine, Donne-lui un peu d'argent, Michemich. Tu serais content, toi, si on te donnait Tu as pas un peu des pesos pour moi, il vient d'arriver. Vous savez quoi? Un dollar donné, c'est un jour gratuit au paradis, offert par la Santa Maria. Ça me fera 5 jours de paradis, du coup. Voilà, c'est ça, gratuit. Avec de la coque et des putes, sa mère. Voilà. Ouais, parez-vous du milieu, Côte de Mime. Vas-y, roule. Tu l'as vu s'il y avait ta voiture ou pas, Jeanne? Non, elle est pas là. Je pense qu'elle est chez les gitans. Ah, bon, on va aller voir. Ouais, donc, est-ce que ça t'intéresse de travailler pas ensemble, petit Michemich? En fait, alors je vais t'expliquer, faut que tu me prêtes une voiture là pour que je travaille pour toi. Parce que faut que je fasse voir la voiture, que je dise, putain, regardez ma voiture, comment elle est belle, c'est Marcel qui me l'a fait. Il n'y a pas besoin d'avoir une belle voiture pour me vendre. Il y a plein de gens qui me vendent, je n'ai pas la belle voiture, tu vois ce que je veux dire? Écoute-moi bien, je vais y aller avec la voiture bleue que tu m'as donnée. Ils vont me dire qu'est-ce que tu me racontes, Marcel, c'est un rigolo. Ah mais c'est parce que tu vends pas le produit. Tu t'y regardes comme elle est mignonne. Et tu peux pas le vendre le produit. Comment ça, tu peux pas le vendre? Oh là, tu as vu ça un peu? Ouais, mais ça se vend pas le produit là. Oh là là, ça veut dire que t'es pas un bon commercial. Oh putain, ils sont là tes collègues. Allez viens, on va voir les médecins, on va négocier des antalgiques.
Qu'est-ce qu'on fait? Wesh la cité! Oh, ça va les jeunes? Ça va, ça va. Hein. Ça va. Oh, si vous... oh, c'est vrai que si vous avez besoin de Tata Marcel pour améliorer un peu vos véhicules, vous me le dites, je vous le fais. Ouais, y'a pas de soucis, on est au courant là, ouais. Ouais. Allez, attendez, on va avec Michel, Michel intervient, on va voir s'il n'y a pas le cadeau sur le sapin comme les petits. Et ouais, mais alors j'ai une question à te poser, Michel, mais j'avais envie que tu sois honnête. Hein. Ouais. Tu fais quoi finalement dans la vie à part le rap? Rien, je suis rappeur, c'est tout. Ah bon? Et dis-moi, Michel, Michel, question à te poser, j'aimerais bien que tu sois honnête. Si là, Tata Marcel, il te dit, tu pourrais m'avoir un fusil, hein. Tu pourrais m'avoir un fusil? Bah non. Zéro ambulance, c'est sa merde. Comment... Il est jeune. Comment tu vois cette... Oh là, il y a un médecin dans le coin. J'ai des pommes de terre, dis. Je suis le roi de la patate. Bon, il n'y a personne, Jeanne. Il n'y a personne. Bon, allez, viens, on rentre à Palais-Tour. C'est la singerie ici. Hein. Que des gagas. Ah, j'aime pas non plus ici. On passe par la gestion, peut-être je peux essayer la voiture ou quoi? Ouais, bien sûr, petit. Bon, admettons que je te la cède, elle te fait plaisir ça là. Ouais, je l'aime bien, ouais. Bon, tu me... Alors, écoute-moi bien. Attends, je vais... Vas-y, hey, tu conduis bien, j'espère, hein, Jeanne, hein. Ah ouais, tu vas voir. Tiens, passe au garage pour la réparer, va faire de l'essence pour commencer. Je veux à quel garage? Je m'en fous, fais de l'essence à gauche, là, déjà, que tu tombes pas en rame. À gauche? Oh, à gauche, là, t'es de l'essence. Mais j'ai pas d'argent, moi. Ouais, mais c'est bon, tu y vas, tu payes là, voilà, là. J'ai pas d'argent. Ça déconne, c'est moi qui paye, t'inquiète pas, je paye. Seul le conducteur peut le faire. Ta mère, je peux pas te donner les billets dans le cul. Bah non. Putain. T'as pu aller chercher les billets. En plus, je suis sûr que tu as de l'argent. Ah non, j'ai pas d'argent. Allez, monte. Mais non, laisse pas conduire. Oh putain, qu'est-ce que tu es pète aux couilles. Allez, hop là, allez, monte. Parce que t'es passager. Voilà. Ah, dis-moi, celle-là, c'est pas une petite voiture à 2 ou 3 euros, hein. Donc, si je te la donne, ça veut dire que j'ai l'investissement sur toi, on est d'accord? Ouais. Tu sais pour combien il y en a de travaux sur celle-là? Bah, tu vas me dire. 120 000 dollars. 120 000? Rien que le moteur, il y en a pour 100 000 dollars. Attends, je vais la pousser à fond, voir combien il va. C'est pas une voiture pour faire la ligne droite, c'est une voiture de rallye. C'est pas le genre de... Toi, tu es un imbécile, toi. Toi, ce qu'il te faut, c'est une voiture qui va vite, toi. Toi, t'es content quand t'as le gros chiffre en bas. Mais avec une voiture comme ça, petit Michel, Michel. Donne des petites courbes, les petits virages. Le prince, c'est qui? Bah, c'est toi. C'est Michel, Michel. Ah, c'est moi. Parce que t'es petit, tu vas vite. Tu te faufiles, là, les autres, ils se faufilent pas. Et tu as une tenue de route incomparable. Mais elle avance vraiment pas cette voiture là hein. Je t'ai dit elle est parfaite. Mais elle a de la reprise. La boîte de rapport elle est courte. Ouais, c'est comme tu m'as dit sur l'autre non? Non, je vais te montrer. Arrête-toi sur le bas côté. Je vais te montrer parce que tu fais pas ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi, je prends le volant de ce. C'est bon, elle avance bien. Et... Ah, mais tu le fais exprès ou quoi? On va buter chez les gitans parce qu'il y a ma voiture, ok? Bah écoute-moi. Ouais. Moi je suis prêt à te la donner si elle te plaît. En échelle, il faut que tu commences un peu à amener les clients par contre. Donc, je vois un peu ce que tu vois, d'accord? Ouais, y'a pas de soucis, ouais. Donc je te propose, pour me montrer que tu es bon, tu amènes deux beaux clients et je t'offre la voiture. Ah ouais? Ouais, non, c'est top. Eh, pourquoi? Ça veut dire que c'est pas du coup, tu me fais pas confiance, ça veut dire. Ah, je te fais confiance. Fais-moi confiance, donne-moi la voiture et je te ramènerai deux clients. Mon petit Michel-Michel, ça fonctionne pas comme ça dans la vie. Je te propose un travail énorme massif. Oh, tu vas te faire de l'argent, jeune. Hein. Tu peux te faire des soirées à 150 000. C'est mieux que le rap. Hein. Et, oh là, on a au moins tout ça. Qu'est-ce ouais. qui se passe? Le moteur marche. Non, je rigole ouais, pas. Ça. Ah, merde. Ah, mets-toi sur le côté là. Mets-toi sur le bas côté. On a le temps. Non, tu es sûr? On a le temps. Moi, j'ai des doutes. Non, mon petit Michel, viens discuter. Vas-y, on discute. C'est à droite à la sortie. Je connais. Tu peux te faire des belles soirées. Voilà, je te demande. Alors, ça veut dire que concrètement, qu'est-ce que je t'offre? Là, c'est-à-dire que tu me ramènes deux clients, tu vas gagner
120 000. La voiture, elle coûte plus de 120 000. Je sais plus combien j'ai mis. Je pense qu'il y a 50 000. C'est à droite, imbécile. Ah, je suis le tour, moi. Oh là là. Mais c'est à droite. Aïe. Qu'est-ce qui t'a fait, le poteau? Tu l'aimes pas? Non, je l'aime pas, c'est là. Non, mais roule doucement, par contre. Mais je crois que c'est une voiture de rallye. Ouais, c'est une voiture de rallye, mais c'est pas une voiture de Gaga. Qu'est-ce que tu... Bah c'est bon, ça fait du sérieux. Gagachou, Gagachou, fais attention. Alors, ça, c'est pas encore ta voiture. C'est ta voiture que tu as compris le deal. D'accord? C'est-à-dire que là, je me ramène deux clients. Des clients sérieux, attention, pas un coup de peinture. Hein. Le gars, il fait le projet complet. Un propre. C'est facile à trouver. Et moi, je crois. Attends, j'arrive, je vais voir sa voiture. Ouais, attends, je vais arranger du coup. T'as perdu ta voiture. Une tempête, les gars, là. Non, elle est là. Bon, eh ben voilà, sors là, ça c'est le beau véhicule, ça fait mal à voir. Ah, je vais sentir après, attends, il y a une tempête là. Ouais, ah ouais, c'est vrai. Oh, attends, viens me voir, ça peut être marrant. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, parce que des fois j'ai les clés des petits gitans. Ouais, donc voilà, et comme ça tu te fais peu d'argent parce que tu vas faire de la peine, tu vois. Et après, si tu travailles bien, tu me rendras la Mini et je te ferai un vrai véhicule à quatre portes. Toi, tu sais ce que tu mérites? Tu mérites une Kuruma. Tu ne verrais pas au volant d'une Kuruma, j'aurais bien aimé une néon, là, non? Une néon? Ouais. Non, toi, tu es digne d'avoir une Kuruma, toi. La néon, c'est pour les enfants. Mais toi, je suis un enfant. Non. Michel, c'est un homme. Toi, tu mérites une Kuruma, une voiture d'homme. Ouais. Comment ça, moi? Tu veux pas la Kuruma? Bon, une néon, ça me va. Hein. Ouais. Hey. Après, une Kuruma, vas-y, c'est moi. Deux choses. J'aime bien aussi la Kuruma. Ouais, ben, bien sûr. La néon, c'est facile à trouver. Putain, j'ai des patates. Tiens, tu veux des patates? Non, merci. Dans mon cadeau, il y a des patates. Il y a quoi dans le tien? Moi, il y a eu de la weed. Ah, c'est sérieux? Ouais. Incroyable. Toxico. Hein. L'habitation 458, je sais pas où elle est, mais. Ah, bon. Ben voilà, hein. Mais maintenant, on fait quoi? Donc, il faut savoir s'ouvrir au monde, ma chère Harper, hein. Oh, j'aime bien sourire au monde, Jeanne. Hein? J'ai dit, j'aime bien sourire au monde, Jeanne. Oh, Jeanne, réponds-moi, bonjour. Oh, Jeanne. Oh, bonjour, ça va ou quoi? Je parle pas aux Marseillais, après ils viennent chez toi et cassent tout. Tiens, te calmer ou quoi? Le dernier truc que j'ai caché, c'est une canne à pêche. J'ai pas dit caché, j'ai dit cassé. J'ai dit cassé moi aussi, j'ai dit cassé. J'ai pas dit cassé, j'ai dit caché. J'ai dit caché aussi, j'ai dit caché, la dernière chose que j'ai caché, c'est une canne à pêche. J'ai pas dit caché, j'ai dit cachère. Cachère, pas cher, ouais, la dernière chose que j'ai acheté pas cher, c'est une canne à pêche. Non, j'ai dit cachère. Cachère. La dernière fois que j'ai mangé cachère, c'est la tante de mon pote David. Tata Rachel. Mangez une petite boulette. Allez, cachère. Au revoir. Bonne nuit. Allez. Quoi ça, bonne nuit? C'est allez, quoi? Allez, moi j'arrête. Allez. Qu'est-ce que c'est? Qui m'en parle? Non. Tu es possédé ou quoi? Vous avez foutu votre merde, mais quelque chose de mignon. Qu'est-ce que... Une filet. La sorte de payer à quoi? Avec foutre, la sauce à la morille. Tu vois, ouais. Au revoir! Me pèle les couilles parce que le dimanche, il cale but. Ok, d'accord. Alors, si on en a à faire des bruits incongrus pour essayer de se faire à mes antennes, il n'y a aucun problème. Ok, salut, connard. Putain, trans, la foucasse. Va te faire sauter, toi, connard. Je lui ai assis un mec de 3, j'aime pas trop les connards de 3. Espèce de trablot, hein. Ah merde, comment tu sais que je suis trablot? Ça y est, c'est fini. Il y a encore des sons sur ta box, hein. Bonjour, Mbappé. Bonjour, Mbappé. Ça va ou quoi? Ça, c'est Sophie. Salut Sophie, tu es bonne un peu? Je suis chaude, tu peux pas savoir. Tu es chaude comment? Tu es chaude comme la braise ou comme le chauffage? Tu vois une centrale nucléaire en explosion, c'est ma touffe actuellement. Ah ouais, d'accord, ouais. T'as la touffe en feu quoi.
Ouais, mais moi, je suis... le Tchernobyl, hein, tu rentres, tu iras direct. Ah ouais, d'accord, d'accord. Ben moi, je suis pas japonais, donc je m'en approcherai pas de Tom Fukushima. Tu devrais, hein. Je devrais. Ah oui, 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 oui. Ah oui, non, oui, mais oui. J'ai pas envie de muter en m'approchant de toi, cochonnerie que tu es, hein. Et alors, sinon, tu fais quoi dans la vie, Jeannette? Ah, oh, putain, elle est partie. Elle est partie, la cochonne. Bon, là, on fait quoi? On se relogue ou comment on fait? On peut en jouer avec le nez de l'accordéon. On peut jouer avec le nez, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Oh, Jeanne. Ouais. Oh, tu as changé, petit. Oh, c'est à qui, ça? C'est à toi, ça? Je sais pas, mais tu bouges, là? Je te vois pas bouger, moi. Oh, t'inquiète, je bouge, Jeanne. C'est bon, ça, hein? Oh, Pichou. Ouais. Bon, alors... Ah, ah ouais, il neige, c'est bon. Ah. Putain, j'ai les patates encore. Si on... Vas-y, dégage la patate. Bon, on va faire un peu ou quoi? Ouais, attends, je vais voir. On vole la voiture là ou pas? On vole rien du tout. Je sais pas le style à la maison de voler, Jeanne. Hein, bah, si, c'est ton style, je t'ai vu dernier coup voler une voiture. Ah non, jamais de la vie, jamais je volerai une voiture. Bon, je te dis, on va faire ou quoi? Attends, Marcel, j'ai en tout cas, toi, viens voir. Ouais. Viens voir. Tu veux me montrer quoi? Tu vas me montrer ta voiture? Attends, Marcel, je t'entends pas, j'ai un truc dans les oreilles, bouge pas. Ouais, d'accord. Ça commence bien, hein? Ça commence bien, petit. Incroyable. Ah! Je vois que tu as mis la capote, tu as raison, parce que sinon tu vas avoir froid, hein? Et je t'entends toujours pas, par contre, attends deux secondes. Comment ça, tu m'entends pas? Moi, je t'attends. J'ai un problème dans mes... Attends, j'ai des... Attends. Donne-moi les clés, je vais faire un tour. Ah, ouvre-moi, ouvre. Oh, ça, qu'est-ce qu'elle est belle, elle dit. Franchement, je te la rachète. Je vais la lui racheter 10 000. Vas-y, monte. Ah, Michemich, tu veux que... Rien du tout, un petit tour en voiture. Vas-y, va-t'en, il sera agressif en ce moment. Va-t'en, roule. Ah, je t'entends toujours pas, attends. Ouais, mais fais en sorte de m'entendre! Regarde comment roule! Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas là? Oh, je te la rachète! Tu me la rachètes combien? Je te la rachète 10 000. Bah quoi, tu as mis combien dedans? Bah j'ai mis 30 000. Ah bon? T'as que ça? Ouais, mais il y a l'Argus, tu as roulé avec. Attends, écoute-moi, j'ai mis 30 000 dedans et en plus de ça, j'étais pas. Attends, où est-ce qu'on va là? Où est-ce qu'on va? On fait juste un tour, je te fais juste voir la voiture. Ah, mais moi je l'adore cette voiture. Attends, elle prend le chemin, elle était. Je t'explique. Alors je l'ai fait taire par un mécano, attention, il est un génie de la mécanique, il est super bon. Ouais. Là, j'ai été la faire estimer, parce que voilà, il fait ça un peu au blague. Ouais, ouais. Pas le temps, 100 000 dollars. Ouais, ouais, mais tu la vendras jamais 100 000. Non mais regarde la transmission, regarde la reprise, Oh là, la transmission est à fond, la reprise est incroyable. Moi, ce que je veux là, je te propose, t'as envie de la racheter? Ouais. Moi, je te dis, avec tous les frais que j'ai fait dessus, 50 000 est là, toi. Ok, d'accord. 20 000, on n'en parle plus. 35 000. 22 500. Je peux pas aller plus haut. 34 000. 25 000. Tu veux pas aller de l'autre côté parce qu'après, il va falloir qu'on revienne et franchement, il va pas vite. Je peux faire un tour, t'inquiète. Ouais, on avance, t'inquiète pas. 25 500, dernier prix. Ok, dernier prix, 33 000. Bon, fais demi-tour, on va au distributeur. Bah attends, il y a le distributeur là-bas. Mais non, parce que ma voiture elle est de l'autre côté. T'inquiète pas, elle est dans le garage ta voiture. Mais non, mais tu écoutes pas comme ça, après on retourne à Paléto et je peux prendre ma voiture, j'ai pas envie qu'elle reste là-bas. Bah là c'est fermé à clé, de toute façon tu peux pas sortir, mais tranquille, t'inquiète pas. Oh là là. Quoi? Tu veux pas faire mais demi-tour que j'aille chercher ma voiture, hein? J'ai peur, dis-le-moi. J'ai peur, mais bien sûr que j'ai peur tout le temps. T'as peur de quoi là, Marcel? Tranquille, non? Mais c'est pas ça, c'est qu'après je vais devoir y retourner, j'ai besoin de toi. Mais je te ramène, t'inquiète pas.
Non. Enfin, un petit tour, là. Oh là là, tu as rien compris. Mais si je t'achète la voiture, saucisson. Ouais, t'inquiète pas, mais tu me la rachètes, mais je t'en mets de là-bas, t'inquiète pas. Et tu re-ramènes après avec. Bon, 30 000 après. Écoute-moi. 30 000. Non, mais t'es pas intelligent comme jeune homme des fois. Non, 30 000. C'est quoi, 30 000, c'est bon? Ouais, ça va, 30 000. Mais alors, écoute-moi, Marcel. Tu veux que je te fasse une voiture pour 30 000, c'est ça? Non, faut juste 30 000. Non, pas de voiture. Non, alors, mais viens, je te fais une belle voiture. Viens, je te fais une belle voiture. Écoute-moi, Marcel, je te propose quelque chose. Là, je t'emmène au distributeur, tu retires 30 000, tu me les donnes. Je vais te faire les papiers. On va tous les deux que ça va faire les papiers à la préfecture. Oh putain, non. Bah, si. T'es oh sûr, putain, oh, c'est un collègue, regarde, c'est moi qui l'ai fait celle-là là-bas au fond. C'est Marcel, t'es sûr ou pas? Ouais. Attends, va voir non, mon collègue là-bas. Mais là, de toute façon, t'es informé de la voiture. Non, mais, ça, bon, mais oui, mais attends, je dois lui dire bonjour. Attends, je dois lui demander quelque chose. Dépêche-toi, bon, sans déconner. On va aller au distributeur. Non, mais il y en a un là, le distributeur de ton arôme, comme une pâte folle. Écoute-moi, je veux que tu sortes de la voiture. Oui. Tu prends les 30 000, tu me les donnes. Ouais. Tu vas parler à ton pote et après, on va faire les papiers de la voiture. Ouais, bah arrête-le, klaxonne. Attends, je le klaxonne. Avec la voiture marron. Allô? Oh là là! Je sais pas parler de allez, dépêche-toi, il va se barrer! Oh, tiens, cas social! Klaxon! Oh! Putain, dis! À part, il t'entend, hein? Oh, c'est toi, Marcel! Mais comment t'es sorti là? Ouais, tu vois pas la taille des portières, non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, tonton Marcel! Comment ça va? Putain, oh. Je viens juste. Faut qu'on parle. Je vois quoi? Je vois Marcel quoi, putain. Oh, dis-moi. Faut qu'on parle. Dis-moi. Ben viens, on va parler. Ah, Michel, viens avec nous, on va parler. On a Marcel, monte dans la voiture. Mais non, viens. Marcel, monte. T'étais fermé en tarmac, votre Marcel, déjà. T'es sérieux là? T'es chiant, Marcel, là, t'es chiant. Oh, alors, comment ça va ce casino? Le casino? Le casino. Ah putain, non, je me confonds, putain. Je suis pas Radwood, hein. Ouais, là, je confonds. Derrière, je te présente mon collègue Mich. Salut, Mich. Mich, le Serini, Mich. Ouais, t'inquiète pas, je veux que c'est. Ouais. Ah ouais, c'est... Ouais. Bon, qu'est-ce qui va pas, Mich? Et tout va bien, on va parler tous les deux, Mich, Marcel. Alors, qu'est-ce que tu vois? Explique-moi. Viens avec moi. Bon, non, c'est bon, tu peux tout dire devant le collègue. Non, mais d'accord, mais on va parler tous les deux. Il est contrarié parce que j'ai... Oh, regarde le véhicule que j'ai fait. Va chercher la Mayari que tu le montres un peu. C'est lui, il adore la customisation. Il est très fier. Hein, tu es content du véhicule que je t'ai fait, petit. Ça vient, Marcel. Qu'est-ce qui se passe? Attends, hein, je reviens, ouais, jeune. Hein. Je t'attends. Qu'est-ce qui se passe, Mich? Donne-les-moi et on va aller à la préfecture ensemble après que t'aies parlé avec ton pote. Quoi? Marcel, franchement, je t'accuse de m'écouter. Arrête sur les 30 000. Parce que tu es en train de me soudoyer, non, c'est non, ça? Non, pas du tout. Retire les 30 000. Mais je vais te les donner, c'est bon. Retire, le distributeur là. Oui, mais je l'ai vu, le distributeur. Mais viens, on va faire le papier d'abord. Les gens, ils ont un masque. Non, on peut pas le payer. Retire l'argent, donne-le moi et on va faire les papiers. Attends, mais tu es en train de me. Je veux dire, de me voler? Pas du tout. Bah, alors, tu me menaces? Ah, parce que. Marcel. J'ai peur! Au secours! Mais le problème, c'est qu'ils sont tous avec moi derrière. Ah ouais, d'accord. Ah, bah, j'ai peur allez, alors. Marcel, allez, non, j'ai peur! Retire les 30 000 là, retire les 30 000. Ah non, mais attends, oh, Marcel, attends. Marcel, mais si je retire les 30 000, tu me le véhicules. Oui, je te le donne. Ouais, mais t'as va faire les papiers, fais l'échange. Oui, moi, les. Non, Marcel, eh ben, viens, on va la prendre. Alors. Marcel, écoute-moi, retire les 30 000. Mais je me sens un peu oppressé quand même. Non, t'inquiète pas, c'est des potes. Il a non, mais oh, je suis un vieil homme, pêcheur, passionné mécanique, pas un truand. Donc je te dis que je vais le faire, je vais le faire. Tu vas te calmer maintenant, jeune. Attention, j'ai peur, mais. Alors, je peux me rebeller aussi. Hein. Oublie pas que je la couche, moi, la licorne. Hein. Pas, attention, hein, je passe un coup de fil là. Monsieur la licorne, je peux vous coucher, faites attention. Hein. Pourquoi? Ah, on en est là, on sort la batte de baseball, je crois que je t'ai pas vu. J'ai pas vu ça. Tu l'as sorti, bah, tu l'as mis où? Tu l'as mis dans ta trousse du prisonnier? T'es sérieux là ou quoi? Je l'ai comment vu, parce que maintenant j'ai peur, je vois tout. Bon. Allez Marcel, vas-y, retire 30 000 là, on en parle plus au moins. Tu mets la voiture. On va renégocier, 25 000. T'es sérieux Marcel là? 25 000 et un beau custom. T'es sérieux? Bonjour. Tu me baiser là non? Ah non, pas du tout. Attends, viens avec moi. Je négocie. Viens avec dessus nous. Comme ça, on est pas bien là? Attends, j'ai un coup de fil.
Viens là, viens là. Lâche ton téléphone dessus, moi, Marcel. Mais je te suis, arrête de stresser. Qu'est-ce que tu me fais là, ton voyou? Tu me fais il me fait le voyou là. Pas vrai ça, de faire le voyou. Alors raconte-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux 30 000, tu es sérieux? Je te fais prix pour un véhicule. Ouais, non, mais c'est. Non, mais on est sérieux, tu veux pas. Le but c'est. 30 000. Bon, écoute, si tu veux 30 000. Bah, bien sûr, j'ai une parole. Si tu veux 30 000, je te. Tu m'as dit 30 000. Faut Thomas, si tu veux. Oh, tu laisses pas finir. On va parler un peu, Michel. Vas-y, parle. Moi, si tu veux 30 000, je te donne 30 000. Mais c'est vraiment ce que tu veux. T'es juste accroché à tes sous alors que je t'ai fait un véhicule magnifique. Bah c'est pour ça que je. Bah tu sais quoi, le véhicule magnifique, tu vas être heureux de le retrouver du coup, non? Bah, il est... Mais ouais, mais là il est vaut plus parce que t'as roulé avec. Bah j'ai fait 72 km, c'est pas énorme hein. Ouais, non mais je. Mais y'a la. Oh, y'a la vétusté, y'a l'utilisation et tout, y'a l'argus. À un prix honnête. Bon, Marcel, bon, tu sais quoi, Marcel, le pire laisse tomber, on va rien faire. Mais non, ouais, on va le faire. Bah, on va le faire. Plus, on en parle plus, non? Bah alors je pense que prix honnête, ce serait 25 000. Bon, laisse tomber. Ouais, 28. Tomber, allez, ça va, ça va. Allez, viens, viens. Alors, tu m'énerves. Mais alors, pas. Oh, tu te ramènes ou quoi? Ouais, mais c'est un inspecteur en fait. Quoi donc? Pourquoi ça sert à rien? T'es pas honnête, t'es pas honnête. Comme ça, je suis pas honnête. Ah bon? 30 000 dans la voiture, là. Jeune, est-ce que je suis pas honnête? Ben non, mais. C'est quoi le problème? Je sais pas. Il me reste ma voiture 30 000 et maintenant il me dit 28 000. Ben, c'est un peu cher, 30 000. Je me sens un peu forcé au niveau de la main. Je lui dis, il me dit que je suis pas honnête. Est-ce que j'ai pas une bonne réputation? Franchement, Marcel n'a pas sa parole. On a Thomas, jeune. Mais il y a un peu beaucoup d'hommes autour de toi, Marcel. Non, bah ben ouais, je sais pas. Ça va, les jeunes. Il n'y a pas de souci. Ils se jettent. C'est des licornes. Hein. Oh, la licorne, ça va ou quoi? Bon, Marcel, ouais, le pire, ce que je te propose, c'est qu'on abandonne. C'est... Pourquoi on abandonne? Ah non, moi je veux. Attends, moi je veux te rendre heureux. Attends. Moi, c'est un échec personnel si tu n'es pas heureux. Bah, je suis pas heureux, mais tu ne me parles pas de 30 000. Attends, tu sais ce que je peux faire? Je te propose. Tu me dis ce que tu en penses. Tu me donnes la voiture 30 000, d'accord? Tu te donnes la voiture quoi? La voiture, tu vas me la donner là. Pour 30 ouais, 000. Pour 30 000, ouais. Est-ce que tu veux pas que je te fasse une belle voiture pour 30 000? Eh, le dernier coup que tu m'as dit ça, j'ai eu la voiture là-bas. Ouais, je sais, mais j'ai compris tes besoins maintenant. J'ai compris que tu voulais une 4 portes, que tu avais besoin que ça aille vite et tout. Et eh ben, ça qu'on va faire. Du coup, tu sais quoi, je suis chaud. Ouais. Je te donnerai l'argent une fois que j'aurai la voiture. Non, on fait un échange de véhicules. Du coup. Ok, sympa. Allez, tape-la, tape-la, allez, tape-la, jeune. Bon. Mais vas-y, tu veux voir quelle voiture du coup? Ah, mais j'en sais rien, attends, faut que je planche là. Tu as envie de quoi comme véhicule? Bah, tu me l'as dit tout à l'heure, c'était quoi la voiture que tu m'as dit tout à l'heure? Une Anna. Une Kuruma. Bah alors, mais la Kuruma, ça coûtait 1,2 million, gamin. La Kuruma, elle est 30 000. Non mais la Kuruma ça coûte 1,2 million. Ah oui mais c'est... moi je te propose ça c'est tout. Soit la Kuruma soit les 30 000. Non mais sois réaliste, un petit peu jeune. Oh, bah, je vais te faire une belle voiture. C'est quoi? Eh hey, Marcel, j'en veux pas. Donne-moi les 30 000 on n'en parle plus. Bah écoute-moi jeune, je vais te faire une belle voiture pour 30 000. Tu m'as fait confiance? Non. Ah c'est bien dommage. Tu aimes quoi? Tu aimes les muscle car, les compacts? Non. Les Riata là, ce non. Gros truc à 4x4, qu'est-ce que tu aimes bien? Rien, 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 je veux juste les 30 000. Mais viens, on fait quelque chose de bien, un peu ensemble, non? C'est quand même plus sympa que je veux les 30 000. Regarde, est-ce que tu veux une prairie, là, comme ça, tu aimes bien ça? Regarde, il y a 4 portes et tout. Mais ça, je te change le moteur. Tu sais que ça va vite, ça. Déjà, c'est la mienne, je l'ai acheté 2 000 $. Elle est à toi? Oui. Eh ben, laisse-moi là, je te la transforme. Je pense que vous êtes mécanicien, mais ça, c'est pas une prairie. Ouais, moi, j'appelle ça la gazon. Ah, tu veux pas que je te fasse un peu quelque chose? Ouais, allez Marcel, c'est bon, laisse-toi, on va y aller nous. C'est bon, laisse-toi. Mais pourquoi tu veux pas que je te la modifie? Parce que je comprends pas. Mais Marcel, je veux juste les 30 000 dollars en fait. Mais on négocie un peu, jeune. Ok, dernière négociation, 29 500. Mais non, mais tu préfères pas que je m'occupe de ton véhicule plutôt? Que je te trouve un beau véhicule pour 30 000. Bon, tout ce que tu veux, c'est de l'argent, quoi. On ouais, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Ah, tu as besoin d'argent? Eh ben, pourquoi bah, tu sais quoi, écoute-moi Marcel, je vais prendre les 30 000, je vais essayer de me faire de l'argent. Une fois que j'ai 100 000, je viens te voir. Non, écoute-moi, je vais te proposer mieux. Pourquoi est-ce que tu veux... Je t'ai proposé de bosser avec moi. Tu trouves les clients, tu me les ramènes. Ouais, ben bah, avant, il me faut les 30 000. Voilà. Tu es monomaniaque, hein. Monomaniaque, ouais. Tolérant la frustration. Et surtout, tu n'as pas la passion de la mécanique. Bah non, je l'ai donc, pas. Donc, en avant, allons chercher les papiers de ton véhicule que je te donne l'argent. Non, allez. C'est qui, ça? Marcel. C'est quoi?
Donne-moi l'argent avant d'aller faire les papiers. Non, mais on va faire les papiers, non, tu vois. Non. Mais écoute, tu crois bien. Mais quel est le problème quoi, moi, attends. Je t'ai donné les 30 000, on a été faire les papiers de la voiture, et tu m'as donné la voiture. Maintenant, c'est du même côté. Tu me donnes les 30 000, on va faire les papiers de la voiture, je te donne la voiture. Bah, écoute-moi. Je fais exactement pareil. Écoute-moi, jeune. Tu penses que je vais t'arnaquer, c'est pour ça? Bah, ouais. Le musique. Eh ben, tu as absolument tort, c'est vraiment pas le style de ma maison. Mais tu m'as un peu arnaqué déjà avec la voiture. Ah non, moi je serais très content de l'avoir pour 30 000, me plaît, et je serais content de l'acquérir. Donc là, tu me déçois parce que moi la confiance, c'est important pour moi. Je t'ai fait confiance une fois, tu m'as dit une semaine, ça fait 3 semaines là. C'est toi qui étais pas là, tu étais en Grèce, tu allais te faire ouvrir le fion. Mais toi aussi, t'étais pas là. Mais tu rigoles ou quoi? J'étais là tous les jours. Non, t'étais un coup avec la police. Non, ouais, mais j'étais là. J'étais là. Alors, fais-moi. Alors, écoute-moi, petit Michemich. Écoute bien ce qu'il va dire, Tonton Marcel. Tu as tes 5 collègues, tu fais peur, d'accord? J'ai peur. Je vais pas te la faire à l'envers. On va en ville, on va chercher les papiers, on va n'importe où, on prend l'argent, on fait l'échange, terminé. Voilà. Parce que tu veux pas de mes affaires. Si tu veux pas. Franchement, tu veux pas de mes services. On y va, petit. Moi, je vais bien, hein. Faut pas que tu... Oh, faut que tu aies un peu... Oh, je peux la conduire un peu pour me rappeler comment elle est. Non, c'est pas ça. Oh là là. Je vais la conduire en ville. Laisse-moi la conduire, qu'est-ce que tu fais? Parce que... Viens bien en ville, je vais conduire. Arsène. Ouais. D'abord, vite fait, 2 minutes, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Il me fait un peu peur, Jeanne. T'as mon numéro ou pas? Oh, ok, bon. Alors, ouais, attends, faut que je me rappelle où tiens. Enrico, attends, je t'ai... Tu sais quoi, je vais t'appeler comme ça, et je vais laisser tourner le téléphone, d'accord? Fais gaffe. Bon. Ça marche, hein? Ouais. T'as pas de... Méfie-toi de... C'est des... Ah ouais? Bon, c'est des petites bites finies, mais... Ouais, mais reste le téléphone connecté, non? Ça t'écoute ce que je dis. D'accord? C'est pas bête, ça, non? Et tu veux pas nous suivre de loin en voiture? T'embêtes pas, Enrico? Vas-y, je te suis. Ah, vas-y, voilà, tu m'entends? Non, je suis à son numéro. Ah. Vas-y, go. Ah, attends. Alors, on va à la préfecture, jeune, hein? Ah ouais. Tu conduis. Ouais, la préfecture, là. Oh, excuse-moi de te dire ça, petit Michemich. Faut que t'apprennes pas à faire confiance aux gens. C'est pas parce qu'à Los Santos, tout le monde essaye de mettre des connards. Tu peux demander à n'importe qui à me dire. Putain, j'en ai marre de t'appeler Michemich. Pourquoi tu m'appelles Michemich? C'est toi, Michemich. Je sais pas, j'en ai marre, oui, je sais. Non, mais renseigne-toi, parce que moi, ça me... Non, mais d'accord, mais est-ce que tu fais confiance à des gens, toi, en ville? Ah ben, moi, je te fais confiance à toi, petit. C'est pas parce que je t'ai fait un véhicule qui te plaît pas, et je m'en excuse, que je vais te la faire à l'envers. Ah, je sais pas, hein. Eh ben, ma foi, bien sûr, tu peux demander à tout le monde. Écoute-moi bien, faire confiance, c'est important. Tu peux demander à tout le monde, tous les gens dans le Nord. Je me suis jamais raté avec personne. Je leur fais des beaux véhicules, les gens, ils sont tous contents. Et quand il y a un problème, on le résout ensemble. Tu vois, c'est ça qui est important, petit. Alors moi, Fouet-Cheval, ça me fait mal au cœur, tu vois, ça me le fend. Que tu vois, le cœur, il est fendu. Mais arrête de pleurer, là, qu'est-ce que tu fais? Mais quoi? J'ai des émotions, moi, d'accord? Elles sont fleurs de peau. Oh, moi je suis Marcel immortel, d'accord? J'ai failli mourir. Eh, alors écoute-moi, Michemich, je te fais un beau véhicule, d'accord? Il est magnifique. Moi j'ai la fierté de rouler avec. Je te le rachète parce que moi je suis amoureux de ce véhicule que tu ne traites pas bien. Et que je veux qu'il soit bien traité. Et tu veux même ou pas? Avec l'argent que je te rachète, que je t'en fasse un autre parce que t'as pas confiance. Eh ben tu m'en reprends, mais quand j'aurai plus d'argent, parce que 30 000, tu peux rien faire. Ouais, j'aurais pu te mettre un aileron et puis te couler. Mais qu'est-ce que c'est ces gens qui te suivent de partout, hein? Tu en dirais que tu tiens de toi. T'es bête ou quoi? Faut bien qu'ils viennent me chercher, je vais t'appuyer après. Mais je te ramène. Non, mais après on a tout à faire. Qu'est-ce que tu vas faire après? C'est quoi des trucs, là? Tu fais des trucs pas nets, non, petit? Y'a un problème là sur Paletto? Ah bon? Y'a un problème sur Paletto? Faut que je monte ou pas? Parce que, oh là là, m'amène pas dans tes cochonneries, hein. Oh papa, qu'est-ce qui se passe, petit? Pourquoi on va à Paletto? Qu'est-ce qui se passe? Demande-lui ce qui se passe à Paletto. T'aurais pas appelé quelqu'un, toi, Marcel? Hein? T'aurais pas appelé quelqu'un, Marcel? Ah non, alors j'ai appelé personne, Jeanne. Hein.
tout à l'heure quand tu étais sur le téléphone, tu parlais à qui? Ah, je parlais à mon pote Enrico là qui était sur le parking et je me disais est-ce que t'as ton numéro de téléphone, donc j'ai essayé pour c'était bien le bon numéro de téléphone. Qu'est-ce qui se passe après les tours? Pas de problème. Hein? Je pourrais même regarder sur ta SIM, j'ai coupé sur toi, ouais. Ah bah tu peux regarder, hein, aucun problème. Pourquoi tu veux prendre ma SIM? Tu es un brigand ou quoi? Tu vois? Non, je suis pas un brigand, mais c'est bizarre quand même, non? Ok, il te ramène à Paletto ou pas? Ah, réponds juste oui ou non. Mais non. Donc c'est le hasard du coup, non? Mais bien sûr que oui, qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi d'être gaga. Oh, tu es paranoïaque, Jeanne. Oh, tu m'as pris pour un brigand ou quoi? Je suis pas un brigand. Oh. Bah, envoie-moi un message d'où tu vas, s'il te plaît. On va où, là? Bah, on va à la préfecture. Mais c'est par là que tu vas à la préfecture, ouais, toi. Ouais, la préfecture. On va pas à la préfecture, on me prend pas pour une tête de con. Comment ça? Bien sûr que j'ai la préfecture là, t'es sérieux là? Où tu vas? La préfecture hein. Bah oui, elle est à 4 km là. Mais elle est pas là la préfecture, tu es complètement bu. Mais c'est toi qui es complètement con. Mais là tu es en train de prendre le chemin pour aller vers la coupe de ta mère. Écoute-moi. Tu vas vers l'église là, tu vas vers l'église. La coupe de ta mère, écoute-moi, je sais où je vais. Oh là là, tu prends les petits chemins qui prennent à la colline là. T'inquiète pas, c'est des amis à moi en haut là. Des amis à toi? C'est qui est là-haut? Ouais, je sais pas, ils voulaient te voir, c'est des potes à moi. Comment ça, y'a des gens qui veulent me voir? Ouais, ouais. Oh non, m'amène pas n'importe où, qu'est-ce que tu fais non, là? Non, t'inquiète pas, c'est des amis. Non, mais je veux pas les voir, moi je veux voir personne. Qu'est-ce que tu fais, Michel? J'ai peur. Mais tu fais déjà, qu'est-ce que tu fais là? Je rigolais. Putain, je suis tachycarde. Je fais pas ça. Non, mais je veux plus rien faire avec toi, ça me fait pas rigoler. Non, mais ça marchait bien, je voulais voir si ton psychologue ça marchait bien. T'as dit j'ai peur direct, tu vois. Oh, j'ai peur. C'est pas par là pour la préfecture. Ah, si, par contre, je te jure qu'on va à la préfecture là. Je rigole pas, vraiment, on va à la préfecture. Je prends les petites routes pour éviter les flics. Pourquoi? Tu as quelque chose à te reprocher avec la police? Non, mais bon, ils font chier avec la voiture que j'ai. Ils me disent ouais, Bichpil, vous avez une voiture de course, attention, ça va. Moi, j'ai la préfecture. Ouais, c'est Marcel qui m'a fait ça. C'est mon temps. Je me dis ouais, bah, attention à la vitesse, tu vas éviter tout. Mais elle est bien cette voiture, c'est pas parce que tu l'aimes pas qu'elle est pas bien. Ah, c'est pour ça que je te la revends quoi, ou que tu l'aimes bien. Ouais mais franchement, et c'est quoi cette histoire là à Paletto? Qu'est-ce qui s'est passé hein? Fais attention, non? J'en sais rien. Tu dois bien être pour mon petit Marcel. Non mais moi s'il y a des problèmes à Paletto, moi tu me le dis, moi je connais déjà. Ah ouais? Ah ouais, je connais pas le monde. Bah, dernier coup que tu m'as laissé, je suis arrivé au coin du temps, il y avait des verres partout. Des verres? Bah ouais, tu vois, des verres par terre, mais tu marches pas pieds nus, non? Non, mais il y avait des verres partout, j'ai dit. Bah oui, j'ai bien compris, il y avait des verres partout. Je t'ai dit, tu marches pas pieds nus, c'est pas de ma faute si les gitans, c'est des cochons qui jettent leur tesson de bière de partout. Des familles. Mais oui, je sais qu'il y a la famille là-bas. Je sais, ils vivent avec le PP ennemi de 3 générations. Quoi donc? Il y avait des gens habillés en vert. Ah, les petits jeunes là, avec le petit Biggie, gentil comme tout, et eh ben c'est ouais, quoi voilà, le problème ouais. Tu les aimes pas? Ah, si, c'est mes potes. Hein. Eh ben alors, tu. Ah, j'étais content de les voir, c'est tout. Eh ben voilà, tout va bien. Ils sont potes avec les families? Tu peux me donner des 50 dollars en poche, j'ai 0 sur moi. Ouais. Tu veux quoi? Bah, 250 dollars, j'ai 0 sur moi. D'accord, pas de problème. Putain, tu es incroyable, hein. Merci. Oh, nécessairement, en plus, je dois te fournir de l'argent. Ah, ça va, t'enlèves ça des 30 000. Merde, c'est quoi la plaque déjà? 4EKN. La mal aimée! Hey, mode, t'es jeune. Je suis derrière toi. Ok, ça marche. Allez, Marcel, va le conduire. Il va l'écouteur à un distributeur, Marcel. Tu vas à distributeur, Marcel, là? Bien sûr. On va aller à côté du centre-ville. Non, mais là, il y en a un plus près. On a des choses à faire, Marcel, j'ai pas trop le temps. Oh, tu es ministre ou quoi? J'ai un concert d'Europe à faire, là. Ouais, bien sûr. Où ça? Ouais, si tu veux, Marcel, moi, il va. C'est vrai, tu as vraiment un concert d'Europe, jeune? Ouais, j'ai un concert d'Europe, là. Raconte-moi un peu. À quel endroit? C'est au Maze Bank. À la banque, oui, tu vas faire un concert de banque? Parking de la Maze Bank. C'est où ça, le parking de la Maze Bank? Dans le sud.
Je peux venir hein. Ouais, tu peux venir. Ouais. C'est à quel endroit exactement? C'est tout de suite là à droite, hein, cette voiture là, à droite. Pardon? Non, en fait, c'est à la Maze Bank, en fait, c'est tout en bas à droite. Tout en bas à gauche de la ville. Tout en bas à gauche de la ville? Ouais. Ah, tu vas chez les Fadas là? Ouais, chez les jaunes. Mais pourquoi tu vas là-bas? Tu es complètement gagachou. Hein. Non, tranquille, tranquille. C'est eux qui nous invitent. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, je retire de l'argent, bon. Là, et après je t'achète ta voiture. Attention, pas d'entourloupette, cacahuète, hein. Pas d'entourloupe. Parce qu'on n'est pas comme ça entre nous, d'accord? Le téléphone, les boys. Voilà. Me déçois pas, Michel, ne me déçois bien pas. On va pas être déçu, hein. Tu sais, petit, hein. Tu sais que tu fais une affaire, là. Hein. Tu sais que tu fais une affaire. Elle est trop belle cette voiture, je suis trop content, je me regarde, elle était promenée tout le temps avec maintenant ça. Et quoi. Voilà, pas l'entourloupe. Ah, petit Micho. Ouais. Écoute-moi bien, ça a fait plaisir ouais. De la récupérer, je suis déçu que ça t'a pas plu. Et je t'en ferai une autre. Allez, monte. Bon, ça marche. Monte. Attends, deux secondes, faut que je lui dépose l'argent. Voilà. Vous êtes où les gars? Hey mode, voilà, je te dépose, je te dépose. Tu me déposes où? Bah où tu as envie, tu me dis, je te dépose. Vous voulez qu'on fasse quoi les gars? On vient maintenant. Je sais pas, il y a qui là? On est combien? Attends, arrête-toi deux secondes, Martin, s'il te plaît. Vas-y, qu'on va y aller. Bah merci Marcel, c'est bon, ils sont là. De rien, Jeanne. Bah, de rien. Fais attention avec la voiture parce que la transmission elle est incroyablement ouverte, ok? Oh, fais gaffe, ça pousse. Hein. Ah, mais je la connais, c'est moi qui l'ai faite. Ah, mais fais gaffe, ça pousse vraiment. Hein. Oh, merci, Enrico. Tranquille. Oh. Passe. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, écoute, merci pour tout. Parce que. Qu'est-ce qu'ils font ces jeunes? Explique-moi un peu là, parce qu'ils m'ont l'air bizarre. Ouais, c'est l'organisation, ça. C'est des petits pélos qui veulent s'approprier Paletto et qui foutent pas mal de bordel. Hein. C'est des enfants. Ah, donc, d'accord. Eh ben alors, tu sais quoi, je ne leur vendrai plus une seule fois mes services. Parce qu'ils foutent le bordel. Voilà. Dis-moi, Enrico, en parlant de ça, comme j'ai peur pour ma sécurité, est-ce que tu penses que tu pourrais me trouver une arme à feu? Ça va être très compliqué ça. Ah non, bon ça, je te cache pas. Pourquoi? Tu connais pas quelqu'un? Ouais. Parce que je pourrais échanger mes services contre une arme à feu, tu vois ce que je veux dire? Mais le problème c'est pas de trouver l'arme à feu, c'est de pouvoir la donner à qui tu veux, tu vois. C'est ça, pouvoir la donner à qui tu veux. Hein. Je sais pas qui tu veux, non, je suis Marcel. Oui, je me doute bien, bon. Je peux me renseigner, mais ce sera très très compliqué. Ah, oh, mais même tu me fais rencontrer le monsieur qui est là, moi après je discute avec lui. Le monsieur qui est là, c'est-à-dire? Je sais pas si quelqu'un. Il est vendu, tu veux dire? Ouais, j'ai entendu parler avec quelqu'un qui est vendé là. Je suis pas au courant. Ah, moi j'ai entendu parler un peu. Ah ouais? Moi, je sais pas du tout. Bah écoute, si t'as parlé. Bon, je vais te laisser, je vais aller au gouvernement. Ouais, ça marche. Vas-y, Marcel, faire le plat. Merci beaucoup, hein. N'hésite pas à me contacter si t'as besoin de mes services ou quelqu'un qui a besoin de mes services, tu me contactes, d'accord? Ouais, ça marche, pas de soucis. Ça marche. Allez, je te laisse. Vas-y, Marcel. C'est que des nerfs, ça. Alors, petit Biggie, hein. C'est pas là, on peut passer tout le monde en revue, le petit Biggie, à la brute, voilà, monsieur Cranelet, Parker, Pitbull, Parker, Cranelet, ah il est là.
Allô Marcel, hein. Oh, comment ça va? Dites-moi. Ouais, bah écoute, on a froid, hein. Qu'est-ce que je te dise? Ah, j'aurais besoin de vous parler, vous avez deux minutes. Ouais, vous carrément. Vous êtes à quel endroit? Là, on est dans le nord, là. Ah, à votre camp? Ouais. C'est ça. Écoutez, je vais arriver. C'est à quoi je vais arriver? Eh ben écoute, très bien, à tout à l'heure. Tranquillou, hein. Vous allez voir, j'ai un véhicule extraordinaire, je suis très content, c'est ma dernière gracieuse. Vous allez voir, c'est ma dernière gracieuse, je suis très fier. Très bien. Ouais, je vous laisse à tout de suite. Ouais, à plus pour ça. Ça me plaît ça. Contender, ça me faut absolument rien. Alors. Ah bonjour. Allez, les jeunes, comment ça va? Très bien, et vous? Bonjour, ça va et vous? Vous attendez la jeune policière, les enfants? Ah non, nous c'est bon. Ah bon? Oh, dites-moi, c'est qui le gros machin là dehors qu'on dirait un scarabée avec des roues? C'est à nous. C'est à vous? À qui ça vous? C'est qui vous? Next Level Adventure. Quoi donc? Next Level Adventure. Next Level Adventure. Oh putain, ça va très bien ça. Hein. Et vous le vendriez? Non. Monsieur, venez voir, monsieur Next Level Adventure. Venez voir. Il va encore avoir une offre. Oh, femme! Tais-toi, va faire la vaisselle! Qu'est-ce que c'est ça? Commence encore à avoir une offre, dis. J'ai même pas commencé à faire mon offre, monsieur. Oh, vous êtes dans le sud ou vous êtes dans le nord? Le siège est dans le sud, mais on travaille dans le nord. Ah. Je me présente, Tata Marcel, comment ça va? Très bien, et vous? Peut-être entendu un peu parler de moi, non? Pas du tout. Incroyable. moi je suis chasseur-pêcheur. J'ai la petite roulotte, tout ça, puis je chasse le pêche avec l'olérie, tout ça, enfin la chasse à la pêche. Et enseignement, je suis mécanicien. C'est un mécanicien retraitant. Pour ça, votre véhicule m'intéresse pour la pêche à la chasse. Oh. Et faire un peu, tu vois, je peux un peu bricoler dessus, ça, faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, monsieur, venez voir, parce que là, vous avez mon bijou, là. Allez, par exemple, ça, c'est ma dernière crassière. J'ai travaillé un peu dessus de ça. D'accord. Rigolez pas, c'est une voiture pour... Pourquoi vous rigolez? Je rigole pas, je trouve ça très... J'adore tout ce qui est... Elle est sympathique, non? Et tout est mignon. Vous avez vu la couleur bleue? J'ai appelé ça bleu azur dauphin. C'est un peu comme si vous aviez écrasé un dauphin sur un calandre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ah, j'en suis très fier. Bon, par contre, en hiver, on se pèle au cul. Il faut absolument que je suis dans ma voiture. Dire, par contre, ouais, mais j'ai la moumoute. C'est pour ça que j'ai la moumoute. Hein. Et là, bon, pas trop attraper froid, mais bon, il est courant d'air. Il y a un collègue tout à l'heure, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, Marcel, il s'appelle Micha. Je sais pas si vous le connaissez. Il me dit, Marcel, je t'avertis, la porte est fermée, tu peux pas sortir. Je lui dis, t'es couillon ou quoi? Tu as vu les portes? Il est con celui-là. Ouais, bref. Voilà, je voulais savoir. Vous le vendez absolument pas. Hein. Alors celui-là, non, mais le petit frère, oui. Ah, le petit, vous en avez un identique? Alors c'est le même, sauf qu'il a pas 4 portes, il a 2 portes. Ah, mais c'est-à-dire les plus courts? Il est ou... Et vous le vendriez combien? J'ai pas le prix en tête, c'est pas moi, Est-ce qu'il y aurait moyen de le voir? Est-ce que je peux vous suivre jusqu'à vos locaux? C'est parce que t'aimes l'euro, ça. Oui, on peut aller à la société. Allez, je vous suis. Allez, on monte les enfants. Ok. Ah ouais. Je vous suis, Jeanne. Ouais. Oh putain! C'est bon ça. Hein. Il est exceptionnel cette voiture. Je vous jure, ça va être mon main car. On connaît que niveau vitesse, c'est pas trop ça. Hein.
Oh, vous avez vu, j'ai failli vous dépasser au moins 10 fois, dit. Mettez-vous pas de ce côté, par contre, je pourrais pas sortir vos... Ah merde, 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 au thème pour moi, désolé. Vous avez vu ça, mademoiselle, quand elle est belle, ma voiture? Ça, c'est Arriata, ça! Non! Non, non, attendez. Pas celui-là. Ah, ça, c'est le meilleur. Ah ouais, chacun le sien. Mais ça ressemble beaucoup au Riata, non? C'est plus bas que le Riata, non? Non, c'est plus gros. Non, c'est plus gros, venez voir. C'est celui-là, c'est voilà. C'est, ah c'est ouais! C'est le même, mais il est fermé. C'est parce que de base, il est comme ça, il est ouvert. C'est à vous après de le fermer. Ah ouais! Et de rajouter derrière, en dessous, les trucs de réservoir, etc. De base, ouais. Il va ressembler à peu près à ça. Sans ouais. Les barres. Il n'y aura même pas les barres en haut. Ah ouais, d'accord. Et après, vous en faites ça. Ah ouais. Et devant là, tout ça, là, c'est vous qui avez rajouté ça, oui, le travail, oui, le dessous oui, et tout. Oui, 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 tout à fait. Ah oui. Ouais. Il y a moyen de l'essayer? Bah, avec vous, dans le véhicule, bien sûr. Oui. Oh là là, ça, ah ouais, ça c'est le Riata, ça, c'est ça, ça, c'est le Riata. Ah ouais, ça. Vous faites la comparaison, en fait. Oh, putain, oh, vous êtes les bons vendeurs, vous donnez envie. Hein. Franchement, vous êtes mieux que le LS Ocase. Hein. Ouais, LS Ocase, ça aurait donné. C'est quand ça? Puis c'est tout. Non, je m'en parle de sortir. Non, non. Bonne journée, vous êtes mal garé. Après vous voulez, je peux vous les faire, quoi qu'il arrive, nous ils sont pas améliorés au niveau des moteurs. Ah hein. Oh, d'accord. Non mais ça non, c'est non, pas ça, grave parce que moi j'ai... Ça, ah, c'est bah, le coup oh, cher et ça ne sert à rien quoi. Moi je bricole. Allez-y, votez sur, dans celui-là. Là. Dans celui-là là. Oui. Vas-y, on va ranger cela. Ouais. Wow, petit... Oh, on monte, on fout une échelle hein. Ah ouais... Oh, c'est sensationnel ça. Ça va vite ça. Oh là là. Je sais que si vous mettez le moteur à fond, ouais. Si vous mettez le moteur à fond, ça va à 160, je crois. Ah ouais, ah ouais, c'est beau ça, hein. Et sinon de base, je crois que c'est 130 ou 140, 140. Yeah. Yeah. Alors monsieur, j'ai une question à vous poser. Hein. Oui. Je peux faire un peu hors piste là, doucement, hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Alors lui, il a les réservoirs, donc c'est moins pratique. Ah ouais, c'est un peu nul le réservoir, hein. Faudra l'enlever. C'est pour ça qu'on les a pas mis sur tous. Mais sinon, en vrai, c'est vraiment pratique en Bretagne. Ah ouais, bah ouais, je vois ça. Oh ouais. Oh là là, oh là là, je me régale, dis. Oh, j'ai l'impression d'être l'homme qui tombe à pic. Vous vous rappelez de la série, monsieur? Oui, je vois. Oh. Très bonne série. Oh, petit, venons, s'arrête là pour discuter un peu. On va discuter business dans la pampa, ça vous dit? Et ouais, et donc vous, où est-ce qu'il est? Putain, vous m'avez fait peur. Vous travaillez donc que à ça là, next level, donc vous proposez des extensions, Jean. C'est ça. Mais vous, j'ai une question, monsieur. Parce que moi, ça, je suis à la retraite, petite retraite, donc si je peux trouver un peu du travail, il n'y a personne qui s'occupe un peu de l'entretien de vos véhicules? La mécanique, tout ça, vérifier les niveaux, si tout est bien réglé, tout ça? Non. Et sinon, on va chez l'Urban, anciennement Urban. Ah ouais, vous allez à l'Urban. Oui. Et peut-être que je pourrais me permettre de vous proposer mes services. Pourquoi pas? Ah bah, vous sous bah, dit comme ça, franchement, ça. Oh, oh, ça. Oh, pff, oh pourquoi? Oh, oh, non, oh franchement, oh, dire, quand votre femme, elle vient, elle vous dit, ça te dirait, chérie, que je te fasse une bonne turlute et une bonne pipe que j'avale, vous lui faites. Pff, pourquoi pas? Non, parce que ça ne donne pas envie. Et voilà, alors n'hésitez pas. J'avale là. Ce que je veux dire, c'est que oui, bien sûr, c'est... tout est possible. Non, parce que moi, voilà, moi, vous voyez ce genre de véhicule là. Moi. Oui. Moi, je suis, voilà, dans le Nord. Vous pouvez demander un peu si vous avez des collègues. Je suis connu pour, voilà, tout à Marcel, Taza, Trira, des services. Je bricole un petit peu le véhicule, je peux vous faire des choses, monsieur. Je peux vous enlever la programmation moteur, par exemple, pour qu'ils aient un peu la pêche. Je peux vous faire la transmission, tout ça, parce que moi je travaille à la casse là, vous savez la casse où il y a les avions, tout ça. Oui, je vois, ouais. Eh ben voilà, je travaille là-bas, voilà. D'accord. J'ai fait les véhicules des Rolleries, entre autres, tout ça. C'est mes collègues, d'accord. Voilà. Donc moi, je vous propose... Ça n'a rien à voir avec le fait de vous acheter un véhicule. Oui, c'est-à-dire, on me dit, le monsieur, voilà, moi, parce que moi je travaille avec Fifi. Vous connaissez Fifi? Ah oui. Bah, c'est un ami à moi, c'est bon ami à moi, Fifi, voilà, on fait les courses ensemble et tout. Vous pouvez lui parler. Oui, Fifi, je vois, oui. Ben, j'ai fait le camion de Barracuda. Vous connaissez Barracuda, le collègue de Fifi? Le petit, il est venu me voir, la Barracuda, là. Il me dit, voilà, je veux que tu me fasses le camion comme dans la A-Team, comme mon héros, Barracuda. J'ai fait exactement le même camion.
pour demander au doyen, il était ravi quand même, Prince. Il m'a dit franchement, vous faites un travail magnifique. Bon, ça prend du temps, attendez. Moi, je suis un mécartiste. Voyez, moi, je travaille en matière avec moi. Moi, je crée des concepts. Voilà, tu vois, je crée un projet avec vous. Voilà, chaque véhicule, en fonction des couleurs que vous voulez, la forme, tout ça, j'améliore. Enfin, bref, moi, je le fais avec vous, on le fait ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? J'en fais pas beaucoup, du coup. J'en fais un ou deux voilà, dans la semaine. Voilà, c'est le maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Voilà, je travaille le produit, vraiment. Je suis un mécartiste. Voilà. Le mot, c'est mécartiste. Voilà. Je suis un peu le Léonard de Vinci dans la mécanique. Voilà. Le Michelangelo du custom. Voilà, okay. Ça n'a rien à voir avec le tout venant que vous faites en ville. Voilà. Ah bah, oui, je vais être... Vous avez 35 ans de métier. Vous voyez, c'est un peu comme si j'étais le grand maître zen des ninjas dans la mécanique. Hein. Voilà ce que je veux dire. On m'a dit peut-être ça peut vous intéresser. Et accessoirement. On peut toujours vous en emmener un et puis voir ce que ça donne. Et accessoirement, monsieur, si je peux me permettre. Moi, sur les prix, je ne charge pas la mule. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Voilà, parce que moi, un véhicule comme ça, vous me le confiez, vous me donnez 10 heures, une petite enveloppe, je vous fais tout, moi. Je pense que vous avez un peu d'effort, mais 160 000, moi, je vous fais tout, moi. Si ça vous 160 000. Ah, je vous fais tout. Je vous fais la MTC, Marcel Touch Custom. Je vous refais le moteur, je vous refais la transmission. Bien sûr, je vous remets les freins parce que je suis pas cru. Moi, j'ai l'air sympathique, pas du tout que vous mouriez contre un mur. Hein. Voilà, je fais tout. Je vous fais la peinture aux petits oignons. La alors déco la peinture, aux non. Petits oignons, voilà. Toucher, non. Mais... Et vous me dites les couleurs que vous voulez, moi je vous les fais. Là, c'est celle-ci, en fait. De toute façon, écoutez-moi bien, si jamais je vous fais une MTC, elle vous plaît pas, je vous la refais. Pour de peinture, ça coûte quoi? 250 $. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, okay. Voilà, me dites Marcel, tu changes la couleur, je change la couleur, voilà. Donc voilà, c'est le premier en charge, je sais pas si ça peut vous intéresser. Je peux... Bon, on peut essayer peu... avec des véhicules. Écoutez, j'ai ouais, un peu de temps libre là aujourd'hui, si vous voulez, je vous le fais aujourd'hui, moi. Je vous en fais un. Aucun problème. On peut aller rechercher un joueur de Vara qui n'est pas du tout... Et sinon, à combien vous le vendriez? Je sais pas le prix en tête, je sais plus, c'est pas moi qui choisis, je sais pas ce qu'a dit le fournisseur. Ah. Je me rappelle plus en fait, faut que je lui demande, je sais plus si c'est 200 000 ou 250 000. Ah ouais, c'est cher. Ouais. Bon, sachant qu'on en vendra que un par mois, donc forcément... Ah bah écoutez, je pense que je vais vous en prendre. Hein. Okay, bah je vous retiendrai au courant, mais de toute façon je vais prendre votre numéro si ça vous dérange pas. Bien sûr, bien sûr. Et si je vous le prends de suite, ça vous embête? Je pourrais pas. Ah merde, vous pouvez pas. Et vous pouvez pas m'abandonner une que vous avez déjà? Non plus. Ah merde. Alors attendez, mon numéro. C'est que 5 oui. 4 8 oui. 4 5 67. Eh bien, c'est comment votre nom déjà? Ah, moi c'est Tonton Marcel. Et vous, c'est qui vous, c'est quoi alors votre truc? C'est Adventure Custom là? C'est pas trop quoi là? Next level. Ah ouais, Next Level. Waouh. Alors, votre numéro c'est quoi s'il vous plaît? 291-344. Ah ouais, bah écoutez, hein. Voilà. Écoutez, en tout cas, alors, pas avant combien de temps pour en avoir un du coup hein. Je pense que début de semaine prochaine, c'est bon. Vous m'autorisez à prendre le volant? Allez-y. Ouais, donc il faut que je compte au moins 250 000 $, c'est ça? Grand max, c'est le grand max. Et on peut pas voir le 4 portes? Non, le 4 portes, non. Et sinon, monsieur, si je peux me permettre, vous avez d'autres véhicules un peu atypiques comme ça, passionnants? Atypiques, non, après c'est des motos. Et ah ouais. Motocross. Ouais, non, ça, moi je suis trop vieux pour la moto, ça me tue. Eh ah ouais, non, moi ça je fais pas. Non, on a que cela. Alors attendez, guidez-moi vers vos bureaux là, parce que là je vois pas. La droite, c'est très bien. Est-ce que vous voulez que ce soir vous m'en laissiez un et que je vous montre un peu de quoi je suis capable avec mes 10 doigts? Bah je vais regarder si j'en ai un déjà, si j'en ai un qui a rien quoi. Rien ou peu de choses de fait. Peu de choses, oui, c'est ça que je voulais dire. Et moi je m'occupe de tout, hein. Attention, moi je vous fais l'intérieur et l'extérieur. Hein. On fait un projet ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? À gauche et puis c'est tout droit. Ah, c'est mon collègue Antonio là qui tient ça. Je sais pas si vous l'aimez bien. Ouais, très gentil. Si, ouais, il a. Hey, il achète mais il vend pas. Regardez-moi. On dirait le salon de l'auto. Ça décolle. Regardez. Oh, s'il est là, attendez, on se foutre un peu de sa gueule. Oh, Antonio! Il est pas là. Sinon j'aurais dit au bout d'un moment faut les vendre dans les voitures, faut arrêter de les accumuler. Hein. En tout cas ça fait joli. Hein.
Oui, c'est... Il est rangé bien, franchement. Oh, je devrais l'inviter pour ranger chez moi. C'était là. Ah merde. Ah, mais il est gentil comme tout. Lui aussi, ses collègues, voyez, vous pouvez lui demander si vous voulez, si vous voulez savoir un peu ce que je vaux. J'ai beaucoup travaillé pour lui. Vous me dites où vous voulez que je le gare. Ah bah là, très bien. Là, ça vous va ? Là, ça me va. Allez. En tout cas, merci pour le petit tour. Je me suis régalé. On s'est régalé. Attendez, j'ai regardé ces journées. Hein. Oh là là, les policiers, là, pas ça, moi. Hein. Non, j'appelle pas les flics. Ah non, c'est pas ça, j'aime pas ça. Vous pouvez les appeler si vous voulez. Oui, de toute façon, chaque fois, ils essayent de m'arrêter. Et pourquoi vous avez laissé le gros tanking dehors comme ça là? Oh, faites pas voler. Vous êtes parti où là? D'accord, alors vous partirez comme ça alors qu'il y a le gros bébé qui est en bas. Seul. Engueulez-les. Pas de trailer que c'est vous le patron. Hein. Ah oui, mais rangez-le dans ce cas-là, ça vous coûte pas plus cher. Sans déconner quoi. Bon, alors attendez. Je connais même pas votre nom, monsieur. Ah, lui, il a pas été. Pardon, oui. Lui, c'est pas les mêmes couleurs. Ah, oui, rien à voir là. Y'a rien. Mais il a rien du tout, c'est même pas les mêmes couleurs. Ah, ouais. Lui, à la rigueur, je peux vous le laisser. Eh ben, écoutez, c'est parti. La plaque, ouais, c'est ça. Je vais vous laisser une clé. Ouais. Et, vous avez vu les couleurs, hein, c'est. Si vous en souvenez pas après, c'est pas, on les refera. Mais... Non, je vais vous faire les bonnes couleurs, pas de problème. Bleu en dessous, bleu noir au-dessus. C'est quoi? C'est du gris anthracite, non? Que vous avez mis gris anthracite. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bien joué, c'est ça. Et le bleu, je sais. Ça va être un bleu roi, non? Un bleu mer brillant, ce genre de choses là. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Oh, ouais. Écoutez, Ben, à la limite, moi je dis le contrôle n'exclut pas la confiance, monsieur. Vous connaissez ni Neve ni Dada, vous avez quand même donné une belle somme. Je vous propose de venir avec moi à Paléto B, ce sera plus près j'arrive pas à parler, dis ça m'énerve. Garage, voilà. S'il y a quelqu'un qui se sent de ramener ma mère Harry à Paléto B à l'aide de vous, je le serai éternellement reconnaissant. Oui. Voilà. Et ensuite là-bas, je vous passerai un de mes véhicules avec les clés en guise de bonne foi. Ok. Voilà, parce que ça me paraît normal. Parce que moi, je fonctionne comme ça avec les nouveaux clients. Comme ça, vous savez que voilà, si je m'en vais avec votre véhicule, vous avez le mien. Et puis, je vous donnerai pas n'importe quoi. Vous me croire, vous pourrez passer du bon temps le temps que je travaille. Okay, parce que j'en ai pas pour 2 minutes. Hein, par contre, je suis avec vous. Voilà. D'accord. Ça marche. Ça. Allez, on y va, c'est parti. Du coup, je conduis à Petite Méraillerie et puis on se retrouve à Paléto. Oui, on va faire ça aussi. Au parking de Paléto, d'accord? Parce que je vis là-bas en ce moment, j'ai ma petite roulotte là-bas. Okay, par contre, on va pas prendre 3 véhicules peut-être? Non, venez, juste à tout seul ou à deux, comme vous voulez. Le véhicule que vous allez vous prêter, c'est à 4 places ou pas? Ah non, c'est que j'ai que du 2 places, moi, monsieur. Ok. On va garder à 5 kills, les enfants. Voilà. On se retrouve là-bas, je prends de l'avance, c'est parce que moi... Peut-être garder celui-là. Vous remarque, ça change. Non, celui-là, c'est bon. Là, faut prendre celui-là aussi. Oui. Vas-y, Alors j'aime facile jeune. On va avoir un Sand King première catégorie. Ça va être extraordinaire.
Comment ça qu'on fait de l'argent est petit? J'ai failli mourir, on dit. Comme je conduis bien. Incroyable comme ce véhicule consomme rien aussi. On n'a pas besoin de faire le plein avant d'arriver à Peloton, tellement que ça m'a rien. Je crois qu'il va arriver avant moi. Je pense qu'il va arriver avant moi. Comment cette voiture quand même magnifique. Best voiture ever. Alors ça. Marqué Canis dessus. Canis. Canis, la voiture de Kazanis. La reine du pastis. Elle roule au pastis, la Canis. Oh la queue de ta mère! Enculé! C'est les flics, ils avaient bien se faire enculer. Oh, tu es de ton côté! Ah, c'est vrai quoi. Franchement, si j'ai honnêtement, messieurs dames, vous voyez, voilà, que si j'avais une audience, voilà ce que je dis. Oh la con de ta race! Putain, fada que tu es! Les gens qui roulent à 16 inverse, moi ça m'énerve, ça me rend fou. Les gens ils roulent n'importe comment de nos jours. Ils n'ont plus aucun respect des cordes de la route. Ouais, je veux bien, c'est tout blanc, tu sais pas où est la gauche de la droite. Mais tiens ton côté quand même. C'est à peine incroyable de voir ça, à peine incroyable. Oh la conne de ta mère, faites attention, j'ai failli me rouler dessus. Oh, qu'est-ce qu'il a celui-là? Vous êtes en plein milieu de la route là. Mais vous êtes sur le sur la chaussée là. Mais avec leur connerie de chantier là. C'est Tonton Marcel, non, vous me reconnaissez pas? Oh la mémé, tu t'es pris dans mon véhicule la dernière fois. À défaut de te prendre tout court, coquine. Oh, comment pense-t-il? Ah, il parle comme un...
Eh quoi, qu'est-ce que petit gars jeune, tu vas te calmer de suite, tu baisses d'un ton, je parle à la dame. Encule-toi, va manger ta sucette, va. Riez, je vous reconnais, attends, c'est déjà vu. Attends, je t'entends mal. Ouais, je sais. Bah, je disais que je vois une belle lady comme ça, j'avoue, je suis au garde à vous, vous voyez ce que je veux dire? Oh, vous me flattez, mon petit bonhomme, mais t'as quel âge, toi? Eh, ça, c'est un pastis. Oh. Tonton Kazanis, elle a jamais entendu parler de moi. Non plus. J'ai pas dit que j'étais tout jeune, j'ai dit que j'étais tout frisquillant. Attends, chignol, viens par là. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma ville? Regarde ce que j'aperçois dans sa voiture. Bah, vous apercevez. Une bouteille de pinard. Ah, il n'y a pas de pinard, c'est là, il n'y a que du passatis. Hein. Ouais, mais écoute, moi aussi, j'ai un peu de pinard dans l'autre balcon, ouais, je suis prudent, ouais. J'envoie tout sec, qui c'est que. Putain, ni, attendez, je vais vous en donner de la bonne. Celle-là, vous n'en avez pas bu depuis le temps, là, comme ça, tenez. Prenez-moi ça, monsieur. Vous bon, franchement, on va devenir connex si tu me fais des petites feuilles. Ah, goûte-moi ça. Goûte-moi ça. Celle-là, je doute que tu en aies déjà bu, là, comme ça. Je l'ai donné à mémé. Oui. Goûtez-moi ça, les gens. Vous allez même dire des nouvelles. Bah, tiens, goûte ça. Vous n'allez pas vous en relever, hein, je vous le dis. Hein. Oui, je vais me rester un peu de gosier, là, parce que j'en avais besoin, quoi. Oh putain. Voilà votre, hein. Oh foufou. C'est ouais, bon ou pas? Je te recule, c'est que moi c'est de la. Oh, je vais faire un peu de golf après, moi, tiens. Allez. Ah, vous susurrez, vous goulayez, hein. C'est bon ça, ou pas c'est, ça c'est lourd, ouais. Ouais, oui, je te dis, mon petit gonon. Ça vous plaît? Ah oui, ça, merci beaucoup. Eh ben, on est ravis que ça vous plaise, messieurs dames. Nous sommes ravis. Écoutez, bien. Vous savez quoi? Tenez. Quoi? On est une petite pièce. Ouais, voilà. C'est bon, j'y vais. Hein. À la prochaine, mémé. À bientôt. Monsieur Torniol, à la prochaine. Ouais, merci à tous. Putain, quel enculé qui a mis grillage, là. Alors, il y a des... Lève-toi du milieu. Tu veux te faire écraser ou quoi, Jeannette? Alors... Ben non, je suis assez voyante pour pas qu'on m'écrase. Qu'est-ce que c'est ces cheveux? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, j'avais envie. Tu crois vraiment que tu vas être bonne sur le marché là? Si tu commences, t'es célibataire ou pas? Ah non, je suis pas célibataire. Mon ah, copain, ça va alors. Cheveux. Alors c'est bon, tu peux y aller, fichounette. Tu as bien raison. Ben oui, y a pas de souci. Tu vas le perdre 2 semaines, oui. Ben non. Oh, c'est lui dirait... qui a choisi la couleur. Oh, c'est quoi, ces couleurs Skittles comme le petit bonbon? Ah ben oui. Bon, ça va les jeunes? Salut. Et toi Marcel, depuis le temps? Ça va, ça va. Mais oui. Ah oui. Alors, en attendant, vous voulez rouler en quoi? Oh petit, je sais, bougez pas, vous allez voir. Écartez-vous, écartez-vous, c'est chaud là! Oh putain, merde! Oh, vous avez froid? Attendez, je vous réchauffe! Ça vous va, ça? Ça va, ça va, ça va. Ah, je savais que ça vous plairait. Vous en prenez soin, hein? Y'a pas de soucis. Ouais, ouais, ouais. Vous en prenez soin, attention, vous allez, hein? Problème. Alors, putain, par contre, faut retrouver les clés, là, c'est pas gagné, hein, vous le dis. Hein. Tenez. Merci. Voilà. Vous m'avez passé les clés de votre véhicule? Oui, 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 vous les avez. Ah, et il m'en faudra la petite mallette. Hein. Oui. On va au distributeur. Donc, ouais, pour que je vous fasse un bon travail, je vois. Alors, je vous explique. Je crois que j'en ai fait qu'un seul sandking pour les Oleries. Alors, un sandking, et non, vous en avez pas fait. Ah, si, si, j'en ai fait pour. Ah, c'est peut-être non. Un contender. Ouais, c'est pas un sandking, ouais. Un sandking que vous n'avez jamais fait, je pense. Je vais vous demander, si vous êtes d'accord avec moi, vous dites que ça n'est pas votre budget, parce que
Les prix varient en fonction de chaque véhicule, vous voyez, c'est logique. Ouais, si je vous fais un scooter, ça va pas être le même prix que comme. En fait, je me suis basé sur le prix que j'avais fait du Sand King. Puis je vous demandais 180 000, ça devrait largement suffire. Et puis s'il reste, je vous rends. Bien sûr. Voilà. Bon, même à 180 000, honnêtement, vu tout ce que je vais vous faire, ça vaut le coup, quoi. Vous me dites, okay. Je suis transparent avec vous, monsieur. Ma marge, elle est comprise entre 10 à 15 000, au grand maximum. 20 000 si je fais des supercars. D'accord. Voilà. Ouais, donc ça va. Vous savez ce qui va dans ma poche, comme ça, on est transparent. Le reste, c'est de la main-d'œuvre. Là, je veux dire, ça, la pièce, moi, ça, la main-d'œuvre, c'est entre 10 à 15 000, 20 000 pour les supercars. Et amusez-vous hein, avec la petite autoroute là, que j'ai fait là. Hein. Vous faites plaisir, hein, n'hésitez pas. Parce que là, je n'en ai pas pour 2 minutes. Hein, je suis d'accord. Ok, pas de soucis. Genre là, ce qui m'embête, c'est qu'il y a un de vos collègues qui n'aime pas un rad là, qui n'aime pas la ramasse. Pour ça bah, vous avez de venir avec deux véhicules. Temporaire. Non, avec deux véhicules au cas où. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On se retrouve pas ici, du coup, on se retrouve chez vous, dans vos cartes. Comme vous voulez. On se retrouve à votre entreprise, ce sera plus simple pour vous. Bah, très bien. Alors, vous inquiétez pas, je vous le lustre, je vous fais le plein, je vous ramène. Il est plus propre que quand vous me l'avez donné. Hein. Ok, bah, parfait. Bon, allez, jeunes, à tout à l'heure, je vous fais la merveille. Hein. Donc, noir, anthracite brillant et bleu roi. Ouais. Et à. Alors, vous, pour l'aspect, vous me laissez faire, vous me faites confiance. Hein. Je vous fais quelque chose de flambant. Fait, hein. fait. Ah, vous inquiétez pas, c'est trop beau. Ça c'est... Tiens, sortez les tous, Sun King, t'as l'air d'un con. Oh là là, qu'est-ce que ça grimpe bien. Bah ben quoi, ça empêche pas de se faire plaisir. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Pas si bien que ça en fait hein. Je crois qu'il va falloir faire quelque chose pour le moteur hein. Parce que là techniquement au niveau de la motorisation c'est pas trop ça hein. Dis-moi tête Marcel que tu vas faire quelque chose pour le moteur. Ah oh, c'est une blouse hein. Par contre, qu'est-ce que ça tient bien la route hein. On l'a plus le truc, il monte plus. Et bon, par contre, hein. Est très confortable à la conduite. Donc là, je vais me faire autour des 5 000 $. Ce qui fait qu'ils ne savent pas, mais ils viennent de financer la moitié du rachat du prochain. Je vais leur prendre. Ah ouais. Ah ouais, la barricade n'existe pas. Ah ouais, les barricades ne sont pas présentes pour nous. Nous avons une... Ah, les... Ah ouais.
Ah, quand même, les arbres n'ont plus apparemment. Rien n'existe pour ce véhicule. J'aime beaucoup. Regardez ça. Poc, poc, poc. Tranquille. Les barricades n'existent pas. Voilà, il n'y a pas la barricade. Si on est poursuivi par les policiers, il faut avoir un bon aujourd'hui. Voilà, je suis déjà amoureux. Ah, je suis déjà amoureux. C'est légèrement plus haut, effectivement, que le... Oh, chameau là. On n'existe pas. Ah, je suis amoureux. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que là, si je suis plutôt bien... Oh, jeune. Les barricades... Oh, regarde. Hop, c'est... Oh, je roule dessus. Regarde. Je pourrais me garer là, si je veux. Regarde, je peux passer quand ça, si j'aime. Je fuis là où il est impossible de fuir. Oh, c'est extraordinaire, quoi. Avec... Incroyable, même. Hein? Ça va passer incroyable. Alors là, si je veux faire marche, je veux faire marche tournante. Oh putain. Voilà, pour faire marche tournante, je fais comme ça. J'aime voir le cul. J'aime voir le cul. Bah, bon, je fais un marche arrière, ce sera plus rapide. Hein. C'est incroyable, dis. Oh, oh là là, conduit comme une connerie des bois. Si j'ai pris le coup maintenant, l'arrivée fera déjà. Mieux, ça doit rentrer. Hein. Et là, c'est pas bon, on va pas calandre. Ça va être facile pour voir. Hein. Ouais, bah putain. Si je me mets comme ça, là, je peux le faire. La face, là. Alors. Oh là là. Oh, toi. Est-ce que... Oh, toi. Pars au soleil. Klaxon, couleur de plaque, jante. Bas de caisse. Gros réservoir chromé, gros réservoir noir. Alors ça c'est de la merde, parce que ça t'empêche de passer. Alors, déjà, on va faire. On va faire. C'est anthracite leur truc. Voilà. C'est ça. Là, c'est pas celui-là. Acier noir. Voilà. Et ça. Et l'or bleu. L'or bleu, il est par là. C'est ce, pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Il est par là, l'or bleu.
Ah, je crois que c'est celui-là, alors bleu. Je dirais celui-là. Ou ce... Non, je dirais celui-là. Alors, c'est pas un mat. Moi, j'aurais fait un jaune. Je dirais celui-là. Ouais, je dirais que c'est celui-là. Ensuite, je vais leur faire le moteur, les freins, la transmission. Ça, c'est fait, accepté. Voilà. Et maintenant, on peut s'amuser. On peut faire les suspensions. Putain, tout ce qu'il a comme suspension. Sport, compétition, course, série. Remonte, 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 remonte. Redescend, redescend, remonte, remonte. On va quitter. C'est sérieux un peu. Alors, pare-choc avant. Voilà. Ça c'est bien. Néo, on peut pas. Phare. Ah, Xéo, bien sûr. Ça c'est obligatoire. Voilà. Esthétique. Arceau chromé. Arceau peint. Double arceau peint. Couvre-toi. Alors, mettre le couvre-toi, a priori ça leur plaît. Double arceau peint. Ouais, bien le double arceau peint. Bon, ça pas mal. J'ai pas l'impression que ça soit le même couleur. Arceau peint. On va mettre les arceaux peint. Voilà. On va bien pas passer les 20, plus que 20 000. Et leur barre de caisse. Réservoir noir, réservoir chromé noir. Modèle de série. Ah. Allez, réservoir noir. Accepté. Le bleu est trop foncé, me dit-on. Ça, les bleus, il n'y a pas 12 000. Hein. Ça peut être celui-là aussi. Ou celui-là. Peut-être celui-là. Bon, je vais remettre les vitres, ça leur fera plaisir. Bon, ça va, on est un peu à leur budget, mais ça va. Voilà. 22 000. Ça va, elle s'est fait un peu d'argent. Elle s'est fait un petit peu d'argent quand même. Je pense que c'est bon pour la couleur. Je pense que c'est le bon bleu. Je suis fou là, lui. Ah! Bonjour les jeunes! Oh, ça va ou quoi? Oh les jeunes, salut. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites là de beau les petits? Bah, on fait du botox. Vous faites du botox? Ah ouais, on fait du botin. Du botox? Ah, moi je visite un peu là. Un collègue là de Next Adventure m'a prêté le véhicule, je me promène. Ah, mais c'est toi que j'ai vu passer tout à l'heure avec ça là. Mais putain, c'est Antonio T! Comment ça va, gamin? Dans la rue du Pawn Shop tout à l'heure là. Ah ouais, bah, je promets. Ah, quand je t'ai vu passer avec ça, je l'ai remarqué direct. Ah ouais, bah, il me l'a prêté pour la soirée, alors on m'amuse, on fait un peu les tours là, tout ça là. Oh, je suis monté, oh. Oh, tu vois le bâtiment là? Ouais. Derrière nous, je suis monté dessus, tu veux que je te montre? C'est quoi ça, c'est un Sand King? Ouais, c'est le roi du sable. Ouais, ouais, le roi des sables, bah vas-y, on regarde, on regarde, jeune.
J'ai un petit problème. Tout va bien, vous inquiétez pas. Antonio ! Ouais ? J'ai un problème, tu pourrais venir avec un véhicule là par où je suis passé ? Ouais. Alors, le roi des sables à moitié. Ouais, faudrait que. Je suis un peu coincé là ! Faudrait que tu pousses. Tu pousses au cul un peu, Jeanne ! J'ai un peu coincé, Jeanne ! Non mais, ouais mais vas-y, c'est bon, ça arrive à tout le monde. Ouais, ouais, j'arrive, j'arrive. Positif, faut déjà un peu monter. Hein. Attends pour plus tard, ne pas mettre les réservoirs sur le mien. Oui, il y a. Il arrive. Oh putain! Impeccable! Impeccable, Antonio! Il est où, mon sauveur? Ah, il est là. Ouais. Ouais. Petit, tu m'as sauvé. Je t'ai épargné une mise en fourrière sur un Sand King. Ça coûte cher, ça. Ouais, ouais, ouais. Ça va. Tu vois, c'est que t'as mis, tu vois. C'est un petit service, tout ça. Et ils te l'ont pas vendu, du coup? Ils t'ont prêté? Ah, ouais, ils me l'ont prêté pour la soirée. J'aurais pu me le louer. J'aurais payé 15 000 dollars. Ils le vendaient ou... 250 000, ils le vendent. Ouais, c'est pas très... Enfin, c'est cher, mais c'est pas indécent, tu vois ce que ouais, je veux dire. Ouais, c'est pas indécent. Ouais. C'est joli en plus, hein, ça me voilà, ah, ouais. Patate. Hein. Mmh. Oh, patate. Bon, ben, je vais faire un petit tour du coup. Ça marche. Ah, au fait, pas de vente. Ouais, ouais. Au fait, tu l'as vendu ta hotknife? Mais non, je l'ai pas vendu. Elle est à toi quand tu veux. Hein. Bah, tu sais quoi? Ouais, dis-moi. Je vais faire. Bah, je t'avais parlé de la mise aux enchères pour le SDH, la soirée caritative. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est le 19, donc si on la vend pas d'ici le 19, au pire, on essaye le 19. Hein. Ouais, d'accord. Mais le caritatif, il revient à qui? À nous? Bah, on la met à un prix. Nous, on aura un prix, tu vois. Je sais pas, tu la vends à combien? Tu la vends à 350 et tout ce qu'il y a au-dessus, c'est pour le SDH, tu vois. 400. Bah, voilà, on mettra 400, puis ce qu'il y aura dessus sera pour le SDH. Ah, ouais, ça marche. Ah, voilà. On se tient au jus. Le 19, hein, faut que tu l'aies. A priori le 19, ouais. Ça marche, ça va. Allez, Tolas, bonne idée, très bonne idée. Mais du coup, pourquoi je mettrais pas le 6x6 aussi en vente? Comme ça, on vend, hein. Pour vendre un peu. Ouais, ça fait un peu les sous. Parce que, en fait, bah là, putain, Antonio, faut que je te dise un truc. Il faut que tu me trouves un camion. Camion, bah, un camion, ouais, j'ai envie de travailler sur un camion, je veux un camion. Fais attention. Ouais, ça va, il fait du bien. De toute façon, un camion, tu l'as devant toi, mec, hein, le Sand King. Non, un camion, un vrai. Ça, c'est pas un vrai camion, un vrai. Ah, un vrai camion. Ouais, un vrai camion, un truck. Hein. Ah, mais ça, faut passer par les entreprises. Hein. Ouais, mais je compte sur toi. Ouais, mais moi, j'ai pas accès à quoi que, faudrait que je vérifie. Mais. Oh, putain. Mais bon. Putain! Antonio! Viens, on va voir si tu peux acheter le camion, monte de suite. Bon, tu m'excites. Ça va, 2 minutes, c'est à côté, Antonio, on fait pas la fin. Ne gâche pas le plaisir d'un vieil homme. Mais je te ramène après, allez, viens, c'est à côté. Je sais que mon Riata, là. Mais viens, avec mon Sand King, tu le laisses là, ton Riata, personne qui va te le voler. Je te suis. Mais non, viens, fais le tour de Sand King. Allez, Antonio. Comment tu conduis? Non, ça va, allez.
Ah voilà. On passe par là. C'est mieux. Hein. Oh, c'est pas mieux. Qu'est-ce que tu fais, Antonio? Tu viens ou pas? Monte pas. Bon, allez, viens, viens, c'est bon, passe par la route, c'est bon. Bon, j'ai compris, hein. Tu as peur de tout, hein. Ou tu as un Riata, c'est fait pour ça, le Riata. Oh ouais, ben profitez-en, va parler. Bon alors raconte-moi tout, Jeanne. Ouais, la dernière fois là, c'est qu'on a fait l'escapade en 4x4 là pour le rallye. Ah ouais, c'était sympa, hein. Ouais, mais t'étais obligé de passer par les quartiers chauds là. Ah ouais, non, c'est pas ça, c'est les gens à la radio, mon Dido. Me dis bien, passe par là. J'ai pris des balles dans ma gauntlet, hein. Ah bon, tu as pris des balles? Bah en fait, ouais, quand on est passé vers le barrio là, moi j'arrivais dans l'autre sens. Et en fait, quand ils ont tiré dessus, c'est moi qui ai morflé, je crois. Oh merde, oh, putain. Ah ouais, donc faut pas le faire but. Gaffe quand vous allez dans les quartiers, les gars. Ah non, mais on va plus là, on n'ira plus. Non. Ah t'as mangé peur. Hein. Oh. Bah ouais, j'ai eu un peu peur aussi, je t'avoue. Ah, c'est la première fois qu'on me tire indirectement dessus. Ouais. Bon alors, dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu peux avoir comme beau camion, là? C'est-à-dire? Bah, qu'est-ce que c'est le vendeur de camion, ça, là? Ouais, c'est le vendeur de camion, là. Ah, je connaissais même pas. Ah bah non, vous pouvez continuer à baver sur ces voitures. Apparemment, le vendeur, il veut pas m'en vendre. Ah merde. Bon, très bien. Non, faut plus aller voir des entreprises comme de mon camion, comme la Beaver Paper. Je vais trouver, t'inquiète pas, jeune. Je vais trouver. Bon, ok, hein, pour la vente aux enchères du 19, y a pas de problème. La knife, tu peux la prendre à toi. Okay. Ah oh putain, je suis pas encore habitué, ça va ou quoi? Oh putain, oh, je me suis pris un pare-choc. Ça va quoi, jeune? Putain, je suis désolé. Hein. Ça va, Thierrier? Tu aimes béton, toi? Oh, je suis en béton, mais t'as vu ce que c'est, un sandking, mec? Ah, je me suis pris de pare-choc au niveau du thorax. Ça va, Thierrier, regarde, tu as plein d'affaires. Tu arrives à respirer? Tu as mal au corps, toi? Ouais, j'allais me reposer quand même un petit coup. Ouais. Alors, je suis désolé, hein. Vraiment, j'ai fait exprès. Ah, j'ai pas fait exprès. Hein. Je plaisante, bien sûr que j'ai fait exprès, on n'a pas fait exprès. Ouais, ouais. J'ai failli faire un sandwich Antonio. Une tranche de Sand King, une tranche de Sand King, une fine tranche d'Antonio, une tranche de Riata. Vous pressez le tout, c'est une délice. Oh là là, dis, j'aurais tué. Ah, ça dépend pour qui le délice. Hein. Ah, moi, j'avoue. J'aurais tué la poule aux os d'or, dis. Jamais de la vie. Ouais. Ouais, la poule tout court, on va dire. Ah, pour encore aux os d'or. Au niveau des os d'or, là, il en a eu le petit œuf qu'on avait là et qui est parti là. La petite Ellie, t'as des nouvelles? Ah non, pas du tout. Putain. La police se touche. Mais je la retrouve, t'inquiète pas. Je vais faire un petit tour avec le Sand King. Je te garantis que je la retrouve, je la plaque contre le mur, je l'assassine. Ouais, mais... je te fais confiance. Hein. Bon, allez, j'y vais, Jeanne. Ça roule. Attends, laisse-moi partir avant de démarrer. Oh putain, la confiance, c'est le règne, hein. Ouais, bonne soirée, Marcel. Bonne soirée, Jeanne.
Il y en a beaucoup ce 4x4. Hein. Ça roule en plus. Hein. Ces bâtiments là bizarre. Alors ça se maîtrise quand même moins bien que 6x6 que ça. J'ai l'impression que j'ai un côté qui est un peu foireux. J'ai l'impression que c'est une vraie tétine ambulante aussi au niveau essence. Une tétine ambulante le machin. Sérieux là. Ça va dire. Allô. Oh, je suis à votre cam, il n'y a personne. Hop, on est au narise là. Ah, j'arrive. Si venir, je suis hein. À côté, j'arrive. Avec plaisir, je suis là dans 5 minutes. Pour vous le demander okay. De la raccrocher si vous voilà. Ouais, il n'y a pas de souci. Hein. À tout de suite. Hein. Qu'est-ce qui ralentit, c'est le bouse, hein. Je suis le bouse. C'est une bouse. Oh là 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 là. Oh là là. Ouais, c'est bon. Ouais. Je dis, finalement, j'en veux pas. Ah, le truc, il prend un coup, c'est bon. Il fait des zigs et des zags. C'est pas le 6x6, c'est. C'est l'entrée. C'est où qu'on descend. Alors, je suis déçu là, je suis déçu. J'en prendrai juste pour faire une plus-value. Oh là 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 là, je fais n'importe quoi avec. C'est le truc qui fait du feu. Ça c'est ça. Quoi ça, la machine qui fait du feu là. Qu'est-ce que c'est ça. Fait du feu. Liquor shop, putain, pour acheter de l'alcool. Pour acheter de l'alcool.
À but informatif, quoi. Ouais. Hey Jeanne, comment ça va? Salut. Ouais, God bless. God bless, monsieur. Quoi? Ça va, la forme. Qu'est-ce que vous faites de beau? On va regarder la moto du monsieur. Ah ouais? Ouais. Ah bravo. Regardez la moto du monsieur. Quoi cette histoire? Comment ça, hein? C'est quoi cette histoire? Ah bah écoutez, on essaye de l'embellir un petit peu, ça fait plaisir. Ah, ok. C'est toi Marcel? Ouais, c'est moi Marcel. Ouais, va voir juste en face, il y a mon collègue qui t'attend. Sur le parking du Larison. Ah, il arrive. Ouais, appuie ça, Denver. Bon, Jeanne, comment ça va? Ça va et toi? Bon, alors, on fait faire les motos par un parvenu? Ah, c'est-à-dire? Bon, je sais pas, là, je vois en train de faire les motos chez le gars qui vient d'ouvrir en face. Hein. Mais non, on a été équipé les chaussettes, là, pour pouvoir rouler sous la neige. Mais ça, les chaussettes pour pouvoir rouler sous la neige, qu'est-ce que vous racontez? Pour aller sous la neige, bordel, avec les bécanes là. Ouais, ben. Ah, il nous a posé des petites chaussettes. Et là, après, on va poser les chaînes là. C'est juste du temporaire. Oh, je sais pas, moi j'ai entendu, on va faire la transmission, tout ça. Enfin, je sais pas, je suis déçu. Transmis, c'est qui? Je sais pas, t'es une de tes gars en face là. On voulait plus travailler avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose de mal? Non, nous, avec toi, on veut toujours. Mais je t'ai contacté pour des slam vans il y a quoi? Ouais, 4, je sais, jours. Ouais. Mais voilà, je sais pas, je vous vois très de travailler avec le monsieur. Franchement, ça m'a fait de la peine. Ça te touche, bon, ok. Oh, ça après, peut-être qu'il te connaît pas aussi, le boy là en face. Hein. Ouais, oh, d'accord. Bah, il m'a dit, t'es Marcel, c'est toi quand même. C'est-à-dire, il me connaît peu, là. Ça m'a fait de la peine, monsieur Granelier, je vous le dis. Non, tu vas pas pleurer, Marcel. Ouais, franchement, moi j'ai toujours été bien avec vous, on fait les bons prix, tout ça, dès qu'il y a un magasin qui ouvre, voilà, on oublie tout à Marcel. Voilà, ouais, ça me fait la peine. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Voilà, ça me touche, ça m'a fait saigner le cœur. Ah, attends, je vais noter ça, et je vais lui dire, voilà, okay, parce que je pense que le boy, il te connaît pas, là. Moquez-vous de moi, c'est ça, notez-le. Ta concurrence illégale, hein. Pour le coup, elle est légale, celle-là. Elle est illégale parce que personne n'a dit. Voilà, moi, on m'a dit, t'es allé dans le nord, t'es à Marseille, on ne s'occupe pas de toi, tu nous parles. Et lui, il ouvre et voilà. Hey, Whisky, tu connais Marcel ou pas? Voilà, il ouvre et voilà, de suite, il se jette sur lui, voilà. Ah ouais, non, il te connaît pas. Ah, bah alors. Parce qu'il était absent pendant une très longue durée. Ah, bah tu le vois. Alors ça va, tu parleras de moi. Qu'est-ce qu'on les fait d'ailleurs, les slam vans? Bah il faut qu'on voie quand on les aura achetés déjà, ce serait pas mal, j'en ai déjà deux ou trois. Eh ben tu veux que t'en fasses, tu veux qu'on commence? Tu veux que je t'en fasse un ou deux? C'est pas moi qui les ai, il faudra attendre, on les réunira et puis on terminera les tu cinq. Tu veux qu'on essaie de faire ça pour demain ou pour dimanche? Non, je t'avais dit là d'ici deux semaines. Ah d'accord, deux semaines, donc, ça va. Bah tu t'imagines déjà rien que les acheter, ça représente un certain budget pour nous. Oh hein. bien sûr. Mais on voudrait bien qu'on ait les petits slam vans là. Bah écoute, je te ferai ça en petit. Je t'avais dit combien? Parce qu'avec mon histoire de 125. Mémoire, 125. Oh, ça va. 120, ça va. 125, quelque chose comme ça. D'accord. Ah bah c'est toi qui sais, tu t'es dit que depuis l'accident, moi, c'est les mémoires qui t'es un peu perdu. Il faut que je regarde un peu ce que j'ai noté, mais je crois que c'était 125. Hein. Ok, bah ça va. Moi je t'ai dit 125, c'est 125, je te fais confiance à 100%. J'ai un problème, Sido. Alors que tu sois en attaque, toi, Marcel. J'ai gros problème, j'ai peur, petit. J'ai peur. Je me suis fait encore courser par des véhicules rouges pas plus tard qu'il y a toujours. Ils ne voulaient pas que me faire des gentillesses, hein. J'ai peur. Véhicules rouges? Ouais, ils sont même venus jusque dans le nord. Ouais, j'ai peur. Je crois bien qu'ils m'en veulent. Ils savent que je cherche ma voiture, la Ellie, parce que je l'ai vue tourner en ville. J'ai peur, petit. La police, elle fait rien. La justice, elle fait rien. Je sais plus comment faire, je vais pas me protéger avec mon club de golf pendant bien longtemps. Qu'est-ce que je... Oh, regardez les gars, j'ai un club de golf, on m'approchait pas.
Est-ce que tu aurais moyen de me trouver une arme à feu? Un fusil, n'importe quoi, que de chasse, que, tu vois, que je sais un peu m'en servir. J'ai peur. Je sais plus comment faire. Tu vois, je sais. C'est pas mon style. Non, c'est pas mon style d'utiliser les armes. Mais putain, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu sais que. Quand je suis tout seul, comment je fais, tu vois? Ça circule pas comme ça, hein, des armes à feu. Ouais, c'est pour ça que j'ai de te voir, je te parle comme ça. Ouais, enfin bon, nous, tu te dis bien putain. Que... Oh putain, dis. Quoi? Oui, il me fait encore plus peur que tout. J'ai peur dans la police. Les flics? Oh là là, il me fait peur, ils sont fadins. Ouais, tu penses que tu pourrais me trouver quelque chose? Je sais pas, un fusil, un mousquet, j'en sais rien, n'importe quoi, tout équipé. Moi, je peux pas me procurer ce genre de choses. Hein. Tu connais pas quelqu'un? Je sais qu'il y a des gens qui sont armés, mais de là à pouvoir te procurer quelque chose, ça paraît très compliqué. D'accord, d'accord, ok, d'accord, je comprends. Je comprends. C'est-à-dire que même si j'avais quelque chose, admettons, je pourrais pas te passer une arme comme ça, hein, c'est pas possible. Ah non, mais pas comme ça, attends, tu me la donnes pas, je te donne de l'argent, enfin voilà, on fait ce qu'il faut. Je te le dis quelque chose honnêtement, j'ai déjà du mal à essayer de m'en procurer une pour moi, tu vois. Ouais. C'est la galère. Alors imagine si je devais t'en procurer une pour toi. Ah ouais, je me doute bien que ça sera pas gratuit, c'est ça que tu es en train de me dire. Ça c'est sûr, mais dans tous les cas, moi j'arrive même pas à en avoir pour moi. Donc, ah, je comprends. Bon, bah alors si je t'appelle avec l'air paniqué, tu sais que j'ai peur quand je suis dans la merde. Bah, de toute manière, t'es au courant que c'est un peu la guerre entre le nord et le sud hein, en ce moment donc. Oh ouais, ouais, bah justement, si j'ai pas tiré. C'est quoi la marque de ton véhicule? Une Eli. E-L-L-I. C'est une Shelby Ford GT 1967. Tu vois la plaque d'immatriculation, jeune? Attends, vas-y, je vais prendre mon calepin. Attends, je te la donne. Ah, je t'écoute, hein, donne-moi ça. Attends, alors voilà. 1 WSR 60 F. W, Jeanne. Bon, écoute. WSR60FW. Si... Ouais, écoute-moi, si tu la vois, tu la stops, tu appelles les policiers. Pas besoin de faire des fusions de sang, de s'énerver ou quoi. Tu appelles les policiers, tu dis que la voiture elle est recherchée pour perquisition dans l'affaire de tentative d'assassinat de Marcel Casanis. Et l'inspecteur en charge, c'est monsieur Johnson. Très gentil. Et très gentil, ah, mais ça ne veut pas dire. Mais... la gentillesse n'a jamais fait la compétence. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je crois que l'inspecteur Gadget l'aurait déjà retrouvé. Hein. Et crois-moi, l'inspecteur Gadget, c'est pas une lumière. Hein. Je comprends. Et si tu as des jeunes qui veulent que je m'occupe de leur moto, là, me le disent. Je suis un peu disponible, là. Ouais, ça, de toute manière, en règle générale, ils le savent. Ah, mais la whisky, putain. Écoute, si dans l'une de nos nombreuses excursions qu'on fait dans le sud, on trouve ton véhicule, je pense que tu m'as dit ok. Si tu me la récupères, je te serai très très reconnaissant. Ça va, jeune? Ouais. Hey, Whisky, ouais, putain, je pensais que tu connaissais Marcel. Bah écoute, non, je peux le temps de rencontrer. Tu t'es allongé à l'eau, là. Tu t'es allongé à l'eau. Combien tu as payé? Qu'est-ce que tu as fait? Ah là, j'ai fait 9005 en tout, là, sur la démon. Ah, ça fait un peu mal au cul, mais bon. Ouais, écoute-moi, tu viens me voir, je te fais le projet en entier, tu repars avec une voiture, une moto, pardon. Je dis voiture, quel imbécile, hein. Je mettrais des gifles, tiens. Tu vois les bécanes de boucle d'or et de. Ouais. Et de. Merde, Casper. Ouais. C'est tonton Marseille qui les a fait. Et le pick-up façon bombardier 39-45, c'est moi aussi. Oh putain. Ah, je fais du bon travail, Jeanne. Et puis à des prix. Ce crâne-là, il peut te le dire. Ça, par contre, c'est vrai qu'au niveau des tarifs moteur, transmission, bah, tout ce qui est plus mécanique, même l'esthétique, hein, mais on va pas se cacher que c'est beaucoup plus avantageux pour de. Moi, écoute-moi bien, moi je te fais la MTC, la Marcel Touch Custom, je te fais le projet en entier, je te fais tout, moteur, transmission, frais et la transmission et la suspension, tu vois, si tu veux, je te fais tout pour un seul prix unique. Et pour ce qui est du custom, tu le sors de ton Marcel, je te fais un projet flambant. Et ça te revient pas d'étendre, il peut te le dire, ton chef. Ah ouais, écoute, j'y repenserai pour la prochaine moto. Y'a pas de problème au whisky. Hein. T'aurais dû m'en parler plus tôt, numéro 2. Ah. Bah, putain, moi je pensais que tu connaissais Marcel. Hein, parce que... Ah non, je connaissais pas Marcel, moi. Ah, c'est pas grave. Tant pis, ce sera pour la prochaine. Mais oui.
écoutez. Alors, de toute façon, on va lui amener 5 slam vannes pour le club là, pour qu'il nous les fasse. Là, d'ici je vais les faire aux petits oignons. Oh, je peux. Ah ouais, je vais faire aux petits oignons. Dites-moi d'ailleurs, pour. Au niveau déco, j'ai carte blanche ou vous voulez plutôt tranquille ou discret? Au niveau déco? Au niveau de la décoration des véhicules, vous voulez carte blanche ou tranquille ou discret? Bah là, il faudrait qu'ils soient déjà tous uniformes et il faudrait que ce soit des véhicules plus discrets, tu comprends? Ah ouais, j'ai compris. Peut-être couleur sombre. Parce que si je peux me permettre de te suggérer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Whisky? Ouais, carte libre pour les prospects, c'est bon. Excuse-moi, Marcel. Non, vas-y, tu gères ta barque, il n'y a pas de problème, jeune. Si je me peux permettre de te suggérer tout quelque chose, sur une île où tout le monde de peinture lure son véhicule en noir, n'est-il pas judicieux de partir vers des couleurs un peu chatoyantes et de la décoration? Attention, les gars, hein, toujours du style, afin de justement passer inaperçu. C'est une idée. Ah, écoute, comme j'ai dit souvent, mieux... pour cacher quelque chose, pourquoi ne pas le mettre à la vue de tous? Le mieux, ça serait qu'on te passe un premier slam van, enfin des essais sur les différents peintures. Oh, c'est une puis bonne idée, on ça. Choisit. Ouais. Comme ça, on a le modèle et de base. Et après, tu veux les 5 identiques, c'est ça? Les 5 totalement uniformes. D'accord. Eh ben, c'est une bonne idée, tu sais quoi? On fait un essai sur le premier, l'essai c'est pour moi. Si ça te plaît pas, tu me dis Marcel, modifie ça. Et puis après, je reviens. Qu'à la touche finale, elle te plaît, on fait les 5 identiques. Excellente idée. J'avais pas pensé, c'est une putain de bonne idée, tiens. Ouais, non, mais ça sera plus simple. Qu'est-ce qui se passe là avec les flics qui sont agités? Il faut quelqu'un a tapé. Écoute-moi bien, d'ici à ce qu'il m'arrête encore une fois, la dernière fois, tu sais quoi? Je démarre mon rat-road là. Tu l'as vu mon rat-road là avec les évents là sur le côté là, les échappements? Je crois que je l'ai déjà vu rouler. Ouais, et il fait papa quand il démarre, tu vois. Alors je fais chauffer le moteur parce qu'avec l'hiver, avec le froid, avec le moteur il est explosé, tu vois. Papa. Je suis devant le palais de justice parce que j'étais appelé par un procureur. Pour être témoin dans une affaire justement sordide contre les agents de police. Je démarre, papa. Oh, d'un coup, je me vois pas arriver un balleur noir blindé qui nous course là dans la descente, il nous tire dessus, nous fait péter les pneus. J'arrive parce que je suis un pilote à m'enfuir avec les pneus crevés en marche arrière. J'atterris tant bien que mal dans un endroit, les petits jeunes qui arrivent, qui font qu'est-ce qui se passe et tout. Ça commence à mal parler et tout. Du coup, les policiers qui arrivent, je me retrouve en prison, jeune. Tu sais pourquoi? Tentative de meurtre sur la personne d'un magistrat. C'est une blague. Putain. Vous avez tiré dessus. Je fais, mais non. Je me mets au volant du véhicule, j'accélère. Je vous en voyez pas, ça fait papa. C'est ça que vous avez pris pour des coups de feu, imbécile. Et là, vous mentez, tout ça, la totale. Bon, 4h30 de prison, je vous dis que ça, la garde à vue, 6h. Je suis ressorti de là, ils se sont excusés. Ils m'ont dit pardon, je portais plainte. Ah, bah t'as bien fait, bordel! Ah, ouais. Eh ben, j'étais à deux doigts de passer à la chaise électrique. Ils étaient contents, ils à la bave aux lèvres. Puis à la fin, ils m'ont relâché. Tentative de meurtre avec un moteur, sans déconner. C'est exactement ce que je leur ai dit. J'ai fait putain, Marcel Casanis, tueur en série à coup de moteur. Le premier du genre. Ah, c'est pas mal. On n'avait jamais fait de celle-là. Ah là, il me fatigue, je te raconte quoi ça. Bon, écoutez les gens, on va vous laisser. Alors, en tout cas, pour le projet des voitures, je suis chaud patate. Puis il y avait les motos aussi. Ah, on a encore quelques-unes à faire, ouais. Moi, il faudrait que je te voie pour la Sovereign là, qui est en face de toi pour moteur, transmission et frein aussi. Combien tu me ferais? Allez, pour toi, je te fais un bon prix, petit. Ah, tu veux que je te la fasse aujourd'hui? Oh, pas forcément, dis-moi déjà. Pour si j'ai le budget. Si tu me laisses un peu de temps, je peux te la faire aujourd'hui. Dis-moi déjà combien. Bah, hein. Écoute, attends, avec tout ce que tu m'amènes, je te la fasse à 40. Pas te... Ah ouais, 140 000. Ça te va? Ah ouais, putain, mais là j'ai pas du tout. Toi, t'avoues que celle-là j'ai déjà. Tu sais combien ça coûte ça comme bécane? Ah, ça coûte une fortune. 115 000 ça. T'imagines, j'ai dû revendre mon ancienne. Mais là franchement, je te fais un super prix, tu le sais, hein. Ouais, je comprends, mais là. D'habitude, les motos c'est entre 160 et 140. Tout l'argent que j'ai, je le mets dans le club là. Écoute-moi, tu as combien là sur toi là? Oh non, mais là sur mon compte, je dois avoir 20 000 max. On est pas du tout. Non, mais bon, s'il faut, je te baisse encore un peu le prix, tu vois, vu que tu m'as. Non, mais bon. Quand on va faire des beaux projets ensemble, moi, je vais te gâter, tu vois ce que je veux dire, je vais te gâter. Oh, je m'en fous, genre, je suis sur ma marge, sur celle-là, je prends rien, je me rattraperai sur les vannes, voilà.
Ouais, non, mais dans tous les cas, là, pour le moment, même 100 000, je pourrais pas y sortir maintenant. D'accord, d'accord. Enfin, attendre une semaine. Oh, il a dit 5 000, il dit, il veut me mettre en culotte, le whisky. Hein, tiens, il veut me mettre en culotte, et après, il va me voler mon chapeau. Ouais, il sait négocier. Non, mais t'inquiète, tu me rappelleras que je t'avais dit que je te faisais un prix, je te ferai un prix, j'ai que de parole. Ouais, y'a pas de soucis, de toute façon, on aura l'occasion de se revoir, on fera certainement l'islam avant de faire ma bécane. Hein. Oh, ma bécane, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Hein. D'accord, bah, elle est belle en tout cas. Là, ouais, putain, c'est vrai que... Elle est magnifique. Putain, allez, par contre, là, j'en peux plus de putain de pantalon. Et tu as vu un peu ça? C'est le gars de Next Adventure Level, il m'a prêté ça, un Sand King. Ah, c'est rigolo à conduire, hein. Il te l'a prêté? Ah ouais, il me l'a prêté, je fais le petit tour avec, tout ça. Putain, donc on a de la chance, hein. Ah, aïe, moi, j'ai pris un putain de pantalon, là, les boots, ça font 15 kilos de chaque côté. Ah ouais, effectivement. Je t'avais dit qu'elles étaient pas bien. Bon, les jeunes, je vais y aller, d'ailleurs, j'étais en train de me faire la petite promenade dans la colline avant que tu m'appelles. Ouais, bah, y'a pas de soucis, Marcel. Tu me tiens au courant, hein, je suis pas tâté. Whisky, tu penses à moi, je te ferai ta moto, je te ferai un truc magnifique. Alors, regardez-moi partir, un phénix. Regardez. Oh d'ailleurs, oh je pense à un truc, et le réparateur il est où maintenant? Bonne question, parce que ça c'est un custom maintenant ici. Peut-être sur Paletto, non, je sais pas si sur Paletto il continue. Ah si, sur Paletto à mon avis oui. Sinon ici non, il y en a plus, il y en a 70, il y en a plus. Si tu vas au parking de Paletto à mon avis, il y en a toujours un. À côté du vendeur de voitures là, tout au nord. Ah oh, tu crois jeune? Oh, ouais, c'est pas grave, t'inquiète. C'est costaud ça, tu sais, comme véhicule. Ah, et puis tu peux la réparer, tu t'y connais un petit peu toi, en manuel. Ouais, je veux la réparer. Moi, c'est parce que j'avais la flemme. Des fois, on est feignant, tu sais. Bon, allez, j'y vais, les jeunes. Allez, à la prochaine. Incroyable ce véhicule. Incroyable. Bon ben c'est bon, je pense que aujourd'hui on a rempli le carnet de commandes, comme on dit. C'est emmerdé par une collinette quand même, alors. D'accord que ça se fait pas. En tout cas, grimper. En tout cas, le moteur, on a fait bon travail, les jeunes, parce que grimper pas, hein. Voilà, grimper, meeting. Je suis pas trop fier du travail accompli, je vous le dis. Parce que là, regardez comme on grimpe. On grimpe pas avant, hein. Voilà, regardez comme on grimpe. Incroyable. Là, tu grimpes pas, là, Jeanne. Hop, alors que maintenant... grimpe, Jeanne. Enfin, tu grimpètes, quoi, hein. Tu grimpètes, enfin, tu grimpes quand même. Voilà, tu montes, quoi. Tu t'agrippes comme un bébé sur son tété, quoi. À l'heure du dîner. Ça va, on roule toujours aussi bien dessus. Tu grimpes quand même, tu grimpes. Oh, c'est bien. Je suis impressionnant. Tu
c'est assez direct quand même. On s'en rigole pas. Hein. J'ai pensé que j'ai pas de mal à tourner. Je sais pas pourquoi, je comprends pas. Hop là, monsieur Dracula. Ah voilà, j'arrive sur la route, tranquille. Tranquille et mille. Bon, tu sais que bon, tu n'es pas dans une priorité de respecter parfaitement que le tracé routier, voilà. Pas non plus qu'elle... Oh putain, dis, qui c'est qui a mis ça là? C'est pas non plus... Alors, je suis en train de me gratouiller, ça ne compte pas. Ah, c'est pas non plus, voilà, ce que t'as pas, ce que t'as pas, ce que t'as pas, tu vois ce que je veux dire. Un véhicule ne m'en veut pas, parce que c'est béton. Voilà, là, on y est, on y va. On va aller rendre le bébé. Je pense qu'elle a fait le bon travail, sans féliciter. Je vais aller bien entendu faire réparer la bête. Allez bien vous faire enculer! Oui, alors voilà, la gente policière, on la porte pas dans le cœur. Oh putain, ni. Le virage est parfait. Bah, pas moi. Ah bah dis donc, comment se retrouver, même pas besoin de vous courir après, dis. Oh les jeunes. Ah bah... C'est marrant ça. Hashtag carbone. Ah comme quoi je suis pas mauvais hein, quand même hein. Vous avez vu, je vous avais dit bleu outre-mer, vous vous rappelez? Pouah. Eh ben voilà, à votre service. Timing parfait quoi. Ah. Oh ah. Putain, ni. Ah. Aïe. Eh ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Venez par là, venez par là. J'arrive, deux secondes. Voilà. Voilà, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ah, voilà. Bougez pas, vous passez. Ah, j'ai ça, vous passez, c'est important. J'en ai eu pour exactement. Attendez. Hop là, j'en ai eu pour 76 000. Donc je vous avez déjà 5 000. Non, 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 les bons comptes font les bons amis, monsieur, c'est comme ça. Voilà. J'ai, vous savez, je travaille avec le bouche à oreille. Donc si je ne respecte pas ma parole, qu'est-ce qu'il me reste? Ben rien du tout, c'est mon fonds de commerce, monsieur. Donc c'est important, vous voyez. Respecter sa parole, c'est important. Tenez vos clés, si je ne me suis pas trompé, c'est bon? Sans doute. Voilà. Vous avez aimé mon petit bolide? C'est marrant, c'est très drôle. Hein, c'est marrant, vous avez vu, ça ne tourne pas, ça n'accélère pas et ça ne freine pas. Vous êtes pris des murs. Légèrement. Ah, je vous l'ai pas dit, c'est une savonnette ambulante. Alors, voilà. C'est pas tout à fait le même bleu. L'autre, tu peux bien. Ah non, je me suis trompé sur le bleu. Oui, le bleu est plus foncé. Ah, je suis désolé, mademoiselle. J'étais persuadé avec l'éclairage du garage. Ça vous va quand même ou vous voulez que je le refasse? Dites-moi. Ça ira? Ça ira largement. Bon. Vous voulez la plaque de celui-là? Non, c'est bon, non, de la voiture du monsieur. Ah oui, pour la clé. Ah oui. Ouais. Ah, j'ai plus trop les idées claires. Bon, écoutez, en tout cas, j'avoue, je l'ai un petit peu conduit pour faire les réglages moteur, là, par rapport à la reprogrammation. Ouais. Je me suis régalé. Si vous en avez un à vendre, j'aimerais bien mettre une option dessus. Ok, bah j'ai votre numéro, je vous dis, je vous tiens au courant cette semaine. Ouais, cette semaine carrément. Enfin, cette semaine, la prochaine. Arrivé, voilà, exactement. Vous me le gardez, sûr de sûr? Oui, oui, je vous appelle dès que j'ai pris.
Dès que vous avez le prix, c'est-à-dire là vous en avez pas à me vendre là, au jour d'aujourd'hui vous en avez ah pas. Ah non, non, ça c'est sûr, j'en ai pas. J'en aurai rien la semaine prochaine. D'accord, et eh bien écoutez, dès que vous savez le prix, vous me le dites et voilà. Et si okay. vous avez besoin de mes tester mon travail, ou déjà vous je vous en prie, faites un tour avec, hein, vous me dites ce que vous en pensez. Voilà, comparez, vous m'appelez après, c'est important, je veux savoir. Hein, s'il y a un truc qui va pas, la MTC, il y a un truc qui vous plaît pas, un truc qui va pas, vous me dites on change. Vous voulez qu'on rabaisse, que je vous fasse. Vous avez besoin peut-être de... J'ai pas changé les pneus, hein, je me suis permis, parce que vu, vu ce que oui, vous faites, je me suis dit que c'était pas une bonne idée hein, de mettre oui, du pneu route. Avez... Si vous avez besoin d'abaisser la suspension et tout, voilà. Moi, si je peux me permettre, j'ai fait uniforme à vos autres. Là. Moi, on perdra en autonomie, mais vous perdriez en vélocité. Et en surpassement, j'enlèverai les réservoirs en plus, hein, si je peux me permettre. C'est un boulet au pied. D'accord. Je les ai mis pour, par rapport. J'ai essayé de faire identique par rapport à ce que vous saviez. Parce que, comme vous avez une entreprise, ce sont ensemble. Mais voilà, si je peux me permettre, les réservoirs, je ne suis pas pour. Hein. D'accord. Alors, en fait, c'est parce que les sans-kicks qui ont des réservoirs, on les utilise juste pour le transport de matos. D'accord. Et les sans-kicks qui n'ont pas de réservoirs, c'est ceux qu'on utilise pour la montagne. D'accord, je comprends, je comprends. Mais écoutez, en tout cas, voilà, je vous les ai mis parce que vous les vouliez. Ok. Voilà. Et j'espère qu'il vous plaît. Voilà, que vous, je veux que vous l'essayez, vous me rappelez. Hein, oui, je vais le tester. Je vous tiendrai au courant. Ça marche, tout de suite. Ça marche. Okay. Vous êtes au top. Merci beaucoup. Et si vous avez besoin de moi, du coup, pour que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas si ça vous satisfait. Parce que du coup, vous en avez combien là, ou en tout 2, 3, 4, 5 et 5, je crois. On a 10 au total. Ah, il y en a 10 à faire On a 5 petits, 5 gros. Ouais, d'accord, mais vous voulez faire les 10 à terme Je sais, bah il y en a, celui que vous avez vu là, il est complet. D'accord, ah, bah oui, il est complet, intérieur. Donc là, du coup, vous en avez 8 à faire en fait. Ah. 8 que la motorisation en fait, parce que niveau esthétique, ils sont déjà tous faits, je suppose. Non, ouais, ils sont tous faits, ouais, ça sera juste la motorisation. Moi, si vous voulez que je m'occupe de la partie mécanique purement, vous me le dites et je vous fais un très bon prix. Voilà. Ok, bah écoutez, on fera... Donc, allez tester le travail, et puis quand on se rappelle, on discute du prix, d'accord ? Y'a pas de soucis, et après, on fait comme ça. Quand est-ce qu'on peut le faire ? Parce que là, c'est pas des baguettes de pain, moi, il me faut du temps pour le faire. Ouais, je veux voilà. Mais en tout cas, je vous ferai quelque chose d'impeccable. Voilà. Ok, bah avec plaisir. Bon, essayez, je suis impatient, faites que vous essayez, là, je suis impatient. Rappelez-moi, je suis impatient, jeune. Bon, okay, merci beaucoup en tout cas. Merci de m'avoir permis de travailler sur des véhicules d'exception comme ça. Et j'espère qu'on fera tout votre parc auto, voilà. Eh ben, je l'ai. Si c'est. Y'a pas de raison. Ça marche. Allez je vous laisse, je vais essayer de pas me planter en prenant un virage. Allez, toujours. Ah, ce qu'il faut en fait avec ce véhicule, tout se joue au frein à main. Regardez bien. Vous voulez tourner ? Pas de problème, frein à main. J'ai un peu d'argent sur moi, non ? J'ai trop d'argent, il faut absolument que je transforme en voiture. Ah,
Ouais, ça, elle se prend tout au virage glissé, cette voiture. Vous glissez pas, vous prenez le mur. Alors, il faut glisser. Alors, Maître Abrastokovic est pas là. Maître Sasaki. Il est Maître Sasaki, hein, il est là. Allô? Oh putain, il répond. Allô, Marcel. Maître Sasaki, comment ça va? Bah, bien, Marcel, et vous? Dites-moi, j'aurais besoin de services, de votre part, de vos services. Ah, dites-moi tout. Eh bien alors, en fait, voilà, j'aimerais avoir un permis de port d'armes. Ah, bah il faut demander au gouvernement. Vous voulez pas faire les démarches pour moi, parce que vous savez comment bien demander les choses. Ouais, si vous voulez. Et bah je vous rémunère, bien sûr, hein. Et, d'accord. Bien entendu, c'est pour la chasse et pour la pêche, hein. D'accord. Bah, de vous à moi, quand vous êtes mon avocat, vous êtes secret professionnel, tout le tralala, là, dans les techniques judiciaires. Vous êtes pas recherché par la police pour tiens. Ah non, non, c'est fini ça, c'est parce qu'ils ont eu peur, parce que quand j'ai démarré mon raton, ah oui, ça a pris un tardé. C'est ce que m'a raconté Arthur, ouais, d'accord. Ah ben voilà, mais j'étais libéré, blanchi de tout soupçon, voilà, aucun problème. Okay. Et ouais, donc j'aimerais bien avoir une arme à feu, bien sûr, c'est pour la pêche à chasse, mais en réalité c'est parce que j'ai peur. Vous savez comment que j'ai dit bien? Vous avez peur de quoi? J'ai peur. Ben, suite à la tentative d'assassinat qui est gommée sur moi-même, j'ai des gens qui m'ont poursuivi plusieurs fois, du coup j'ai peur. Ouais. Et j'aimerais être armé pour ma sécurité. Mais officiellement, c'est pour la pêche à la chasse. Donc, alors je vais me renseigner auprès du gouvernement, parce que ça a changé là. Mais je vais me renseigner auprès du gouvernement et je reviens vers vous, Marcel. D'accord. Et après, comment je fais pour avoir l'arme à feu? C'est le gouvernement qui me l'a fourni? Alors non, il doit y avoir des armureries en ville, je pense. Ah d'accord. Ouais, je sais pas, j'essaierai de me renseigner aussi, mais je pense qu'il y a un petit vide à ce niveau-là, quoi. D'accord, bah, je vous remercie, monsieur Sacré. Mais je reviens vers vous. On fait ça aujourd'hui. Ah ouais, et je veux monter aussi une société de fret. Il me faudrait un camion, il faudrait l'autorisation du gouvernement. Ouais, de fret, pour transporter, faire un Marcel en routier. Ouais, d'accord, mais la dernière fois que j'avais fait une demande de fret pour une société de fret, c'était un peu parti en autre boudin. Ah ben, mais moi je suis chaud, j'ai un pilote et tout. Je vous laisse avec des collègues, des amis. Ok. Vous okay, me tenez au courant, vous y allez aujourd'hui, si vous voulez, je viens. Ça risque d'être dur un peu aujourd'hui, là. Oh, allez, faites-moi aujourd'hui. Ouais, allez, je m'occupe ce week-end. Ça marche. Bon, je vous laisse. Je m'occupe de... Ouais, vous êtes sérieux ou quoi, là? Oh, les jeunes! J'ai des trucs à régler. Comment ça va? Marcel, comment est-ce que il est là, monsieur le soignant. Non, il est absent pour le moment. Putain, je vais pas vous déranger, du coup, ça va ou quoi? Ouais, tranquillement, tranquille, et toi, ça va? Ça va pas trop, en fait, les jeunes. Regardez, je le dis bien. Le psy dit que maintenant, je le dis bien. J'ai peur. T'as peur? Et pourquoi t'as peur? Je le dis bien, j'ai peur. T'as peur? Depuis la fois là où je me suis retrouvé, que j'ai failli mourir, que depuis maintenant, on m'appelle Marcel de Mortel. Ouais, c'est vrai. J'ai déjà une voiture rouge, ils m'ont poursuivi la dernière fois. Et pourquoi ils devaient du mal? Et je sais pas, comme je sais, quand c'est eux qui m'ont peut-être volé ma voiture, tout ça, parce que voilà, il y a tout qui converge vers eux, tout ça, j'ai peur. Hein? Et oh, alors, merde. En fait, comme la dernière fois, quand je discutais avec monsieur... Oh, bonjour, Pitounette, comment ça va? Je la connais pas, elle est mignonne, hein? Vas-y. Bonjour Pitounette, comment ça va? Ça va Ginette? Je te présente, c'est pas Ginette. Ça s'appelle Bibora. Ah, bonjour Bibora, ça va? Ça fait Déborah en français, ça nomme Bibora. Très drôle, ça va? Ah non, je sais pas, se présentez pas. Non, ça veut pas dire exactement ça marche. Je voulais pas te vexer, mademoiselle Vipère.
pas de venimeux, parce que je pensais vraiment Bibora, Déborah, c'était proche. Voilà, il n'y avait pas d'humour, il n'y avait pas d'humour, j'ai pas voulu. Oh là là, monsieur le CS, je ne suis pas le genre à vexer les gens, pas vrai? Non, tranquille, Marcel. Ah, j'ai pas voulu vous vexer, madame la vie. Je ne connais pas toutes les coutumes des fois, mais tranquille et gentil. Bah alors, du coup, tu me disais, ouais, donc la dernière fois, tu avais discuté avec monsieur Soignot, comme tu dis, alors. Eh bien, comme j'ai peur, puis que la dernière fois que j'ai discuté avec monsieur Soignot, à un moment, et déjà, il se passe tout ça, enfin, bref. C'est sorti des arbres, je venais voir si vous auriez pas. Alors, c'est pas mon habitude, mais j'ai vraiment peur, vous voyez. Je me disais, peut-être que vous pourriez me fournir un fusil, vous voyez, même un vieux fusil de chasse ou quoi. Quelque chose pour impressionner un peu et que fasse un peu de bruit, vous voyez. Ah bah là, franchement, Marcel, ouais, tu vois, t'as pas de bol, mais ce soir, ouais, Soignot il est pas là et on a pas trop de gradés, quoi. Là, il y a juste la familia tranquille, quoi. D'accord, bah vous passez peut-être. Mais on va pas te le cacher non plus, je pense pas que ça va être trop possible. On verra avec eux, mais. Après, s'il en discute avec Soignot, c'est lui qui en discute avec Soignot, mais après, je peux passer le message au pire. Mais je sais pas comment faire parce que vous savez, les policiers me protègent pas. Ils font pas le travail de la recherche, le véhicule a été vu en ville, il faut rien pour arrêter le gars. C'est le véhicule qui m'avait volé, je vous avais donné la plaque et tout. Que le gars il avait signé et tout là. Il a été vu deux fois en ville. Et le gars, le policier il fait rien. Le gars il me suit, il fait rien. Ils me disent, un homme peut rien faire. J'ai peur, je sais plus quoi faire. J'ai peur, madame la vipère. Vous voyez que je le dis bien, j'ai peur, mon petit, il serait fier de moi. Mais en attendant, par exemple, peut-être il sera là demain, t'as pas, je sais pas moi, une voiture peut-être plus discrète que ton truc là pour promener. Ah non, mais ça c'est parce que, ça c'est pour monsieur Antonioni, pour le Power Shop, pour ça, c'est pour sa tête d'affiche, je lui livre, elle m'aime pas, moi. Ah, c'est pour lui faire plaisir, va être content le petit Antonioni. Ouais, mais j'ai eu l'occasion de tester cette voiture, bordel, j'aime pas trop. L'empattement à l'avant, là, c'est de la merde. Hein. Écoute-moi bien, elle tourne pas. Elle accélère comme une merde et elle freine pas non plus. Pour prendre un bon virage. On est d'accord. Attends, pour prendre un bon virage, Jeanne, il faut freiner et tirer le frein en même temps. Tu fais que glisser. Tu glisses. Tu veux que je te montre? Tu veux essayer, Jeanne? Viens, monte. Ah, c'est un peu. Peut-être que vous aviez des choses à faire importantes, mais bon, faut un peu se faire plaisir. Mode, vas-y, tranquille. Petit tour de pâté des maisons, tranquille. Tu me dis, je peux passer dans le quartier ou pas où, par où je passe, dis-moi. Ouais, si t'es avec moi, c'est bon, tranquille. Attention, petit ou que je fasse pas mal, tu vas voir. Hein. Tu vois, par exemple, là, on va arriver à la virage, là, on va prendre la gauche, d'accord? Donc, je tourne, frein en même temps. Et voilà. Alors là, tu vois, je me suis raté. Du coup, voilà, tu vois, c'est toujours que tu veux montrer à quelqu'un que tu n'y arrives pas. Ah, attends, je vais le refaire. Tu vois. Là, ça va, là tu n'as pas besoin. Voilà, par exemple ici. Voilà, tu vois. Alors, attends, tu es Marseille, on recommence. Hein. Ne me juge pas sur le premier essai. Ah, parce que là, tu me mets la pression. Voilà, tu as vu. Ah, bon, okay, on va vers l'heure. Donc, tu vas dire, tu es Marseille. Ouais, tu es obligé d'aider la voiture en mettant un coup de frein à main. Ouais. Exactement, tu vois comme ça. Voilà. Et ça se conduit que comme ça en fait. Et là tu freines plus frame. Exactement, freine plus frame. Tu vois. Et je contrebraque en plus, tu as vu, je contrebraque. Ouais, t'as bien maîtrisé la bête comme on dit. Voilà, tu sais quoi prendre, mais en général dès que tu démarres, tu te sens fort et tout, tu vois. Tu t'en rates après. Voilà, t'as vu, c'était sympa. Allez, tranquille, mais j'avais vu le prix, enfin, franchement c'est trop cher quand même. Quoi. Non mais lui il l'a voulu en fait, tu vois, pour faire une belle devanture, c'est une bonne idée franchement. Il la met à l'avant de son magasin, c'est bien. Et franchement, le monsieur là, Antonioni, est gentil comme tout, allez le voir si vous avez besoin ou quoi. Enfin, voilà. On y passe souvent au punch up. Il est gentil comme tout. Et en fait, si vous avez besoin de moi, que je vous fasse les voitures ou les motos, vous le dites, j'ai pas de temps ce soir. Là, je te dis, voilà, là ce soir, c'est très calme, quoi. On revient tout juste là, on sort. Demain, par exemple, après cette grosse tempête de neige là qui s'est abattue sur la ville. C'était terrible, hein. C'était terrible. Oh, tu sais quoi? Oh, j'avais plus de linge, je suis resté en calbut pendant tout le blizzard. Je me suis pelé le cul dans ma roulotte. Le linge, il était dehors, il était congelé sur la corde. Impossible. Ah ouais, merde. Je me suis fait une kilt avec une couverture. J'avais l'air d'un couillon. J'ai pris des photos chez mon touriste, tu vois. Ah ouais, d'accord. Oh là, ça va, petit? Fais gaffe, Hermano, tu vas te casser la gueule. Bon, allez, je vous laisse. Vous avez certainement des choses à faire. Je viendrai voir demain, Soignot.
Si ça marche, de toute façon, je passerai le message, Marcel. Il a sûrement ton numéro de téléphone. Oh, ouais, tout à fait. Merci pour toi, en tout cas. C'est nos problèmes. Pas de problème. Allez, attention, prends soin de toi, fais attention, gars. Oh, ouais, ouais, merci, les jeunes. Et hasta luego. J'appelle un maître Stataki. Maître Sasaki. Ah, Marcel. Ouais, Jeanne. Deuxième round. Ouais. Deux informations, je pense qu'on va bien rigoler. Il y a trois critères qui doivent être remplis pour avoir un port d'armes. La première, c'est un passage devant le psychologue pour savoir si tu étais apte à avoir un port d'armes. Ah, ouais, mais moi j'y vais, moi je réponds. Donc faut que tu ailles voir le psychologue. Bah, il faut que tu prennes rendez-vous. Ok, à la suite. Deuxième, avoir un casier judiciaire vierge. Ah, ça je l'ai pas, ça. Ça, je crois que tu vas pas l'avoir. Troisième, faire une demande au gouvernement. Donc on peut peut-être tenter de faire l'impasse sur le casier judiciaire pour peut-être qu'ils vont pas vérifier, tu vois. Oh, c'est une bonne idée, ça. Mais j'y crois pas trop, quoi. Vous faites la demande et moi je vais voir le... Non, il faut que t'ailles voir le psy d'abord. Avec le certificat médical. J'y vais, je vais appeler le psychiatre. Non, attends, Brossman, comment il s'appelle? Ah oui, j'ai le numéro de téléphone. Ah bon? Ouais, du psy. Bah écoutez, alors attendez. T'as de quoi noter ou pas? Ah, pas du tout, ouais, je note, allez-y. Fais plus, hein. En haut à droite du téléphone, là, tu peux noter. Ah bon, Brossman, faire ça? Ouais, Brossman Psy. Alors attendez. Tu en as les contacts? Donc, psy. Oh, ça suffira, hein. Brossman, il s'appelle. Ouais, Brossman. 605... 605... 448. C'est 48. Je ne vois pas lui dire que j'ai peur, celui-là. Ah non, en fait, il va évaluer votre état mental pour voir si vous êtes apte à porter un port d'armes. Faut que je mente un peu, du coup. Non, faut dire la vérité, Marcel. Ouais, je dis la vérité, ouais, vous inquiétez pas, je vais mentir. Ouais, c'est l'autre vérité. Que, franchement, je suis stable et tout, que c'est pour la chasse à la pêche. D'accord, et à partir de là, en fait... On va demander une demande sans. On va espérer que vous n'ayez pas de casier judiciaire à vérifier, quoi. Mais à mon avis, ça va être refusé, hein, je vous le dis comme ça, hein, mais. Qui ne tente rien à rien, quoi. Ouais, mais c'est pas grave, au pire, je volerai une arme illégale. Mais non, c'est pas bien ça. Oh. Ah ouais, mais comment je fais? Non, hein, vous n'avez pas besoin d'armes, vous prenez un agent de sécurité. J'ai peur, mais je ne veux pas d'agent de sécurité, c'est complètement con, c'est les mêmes que au palais de justice. 25 000 $ par semaine. Non, et pourquoi? Pour avoir quelqu'un qui me suit de partout? Ouais. Il me sentira le cul quand je vais aux toilettes aussi. C'est pas cher. Non, j'aime pas. Okay. Ça pas, il va mettre le nez dans mes affaires. Non, je veux un pistolet. Et pour le fret, c'est quoi exactement la boîte, hein? Ah, eh ben, il faut un nom. Marcel Transport. Ouais, on peut trouver autre chose. Kazanis Truck. Ah, ça c'est bien ça, Kazanis Truck. C'est quoi l'objectif, hein? L'objectif, c'est faire du transport de fret. Vous avez déjà le véhicule ou pas? Ah non, j'en ai pas. Mais c'est pas un problème. Moi, je veux juste la licence. Moi, je veux juste... Ah, mais ça, des véhicules... Moi, je veux la licence pour acheter le camion, le gros camion, vous voyez? D'accord. Donc, moi, j'ai économisé les fonds. Vous pouvez dire que j'ai les fonds. Voilà, s'il faut, je vendrai des véhicules aux collections. Et l'objectif, c'est que je puisse... Kazanis Truck. Ouais, Kazanis Truck. Que je puisse, voilà, juste, on sera deux employés, genre le petit pépé gitan, là, vous connaissez. Achat de véhicule, voilà, il est d'accord. L'entreprise. Et voilà, on va faire le transport, parce que, deux attention, employés. J'ai des potentiels clients, vous savez qui j'ai comme client? Ok. J'ai la police, je serais très intéressé pour transporter des trucs. Vous voulez faire quoi, de la location de camion? Ah non, je suis le routier. Je transporte, le client me dit transportez-moi ces marchandises du point A au point B, moi je transporte, je livre, je décharge, je charge, je fais tout, vous voyez. Alors, d'accord, c'est quoi le nom de votre deuxième employé? Ah, c'est deuxième... Pépé Gitan, je connais pas son nom, mais même au début je peux commencer tout seul, prendre l'employé après. Pépé Gitan, d'accord. Ouais, mais bon, il s'appelle pas Pépé Gitan, je connais pas Marcel son nom. Kazanis. Ouais, ça c'est moi ça. Voilà, vous voyez l'idée, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous avez passé? Je pense que j'ai déjà fait une boîte comme ça qui s'appelait Tonneau Transport et qui n'est pas passée. Oh, ouais, mais attendez, moi j'ai le. Et c'était il y a 4 mois.
Ouais, mais moi j'ai des clients, attention. D'accord, il y a déjà des clients. Plein, voilà, plein de clients. Mais plein, c'est pas. Ouais, j'ai les Serenity, là, les Oleri. Serini. Ouais, c'est pareil, ouais, Serenity, comme vous dites. Voilà, tout ça, c'est les clients, ça. Ah, les Oleri. Oh putain, le doyen, comment il va, Jeanne? Bah, comme quelqu'un qui. Moi, je vous laisse, je fais histoire un dossier. Par contre, ça vous coûte des sous. Hein. Vous avez un peu de fond, ouais. C'est pas grave, j'ai des sous. Je vous laisse, je suis avec monsieur le doyen. Ah, ça roule, très bien. Faut pas dire, hein, il y a des gens qui me recherchent après. Vous avez la voiture blanche devant? Ah, ouais, elle vous plaît, venez voir. C'est ma dernière petite création. Ah bon? Alors, elle n'a que des avantages, hein. Ah bon? Ah oui, elle ne tient pas la route, elle accélère de façon erratique à fond, et elle ne freine pas. Elle n'a que des avantages. Vous voulez essayer? Elle m'invite, moi? Ah bien sûr, vous voulez essayer, vous allez voir. Là, je connais le modèle, mais c'est un peu de la merde, oui. Ouais, mais c'est beau. Et surtout, vous pouvez être accusé de tentative de meurtre sur magistrat, mec. Pourquoi? Ah bah parce que comment ça pétarade avec le moteur, les gars du palais de justice, un coup qu'il a tiré avec un pistolet sur un des magistrats. A failli passer à la peine capitale de la mort. Ah bon? Ah ouais, j'ai été en prison, tout ça, ils m'ont dit vous allez être condamné à mort pour avoir fait la tentative sur un magistrat. Ah, j'ai dû leur prouver que ça pétaradait quand on accélérait, qu'ils s'est fait une erreur. Alors, c'est une histoire incroyable, vous devriez écrire un livre, monsieur. Oh là là, écrire, c'est compliqué, vous savez, moi, c'est juste la mécanique. Hein. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire, je vous laisse les droits. Ah non, écrire, c'est chiant, les dossiers, les papiers, tout ça, moi, c'est pas chiant. Ah ouais, moi aussi, ça va péter les couilles, mais d'une force. D'ailleurs, vous savez quoi? Non. J'essaye désespérément de monter une petite entreprise de fret. J'aimerais faire le métier de routier et camionneur, prendre le fret à un endroit, au point A, et l'amener gentiment au point B pour des clients. Si vous saviez. Oh là 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 là, ouais. Vous pouvez pas arrêter la musique, les jeunes. Ah bah c'est Potter, ça. Oh. Radio Boom Boom. Ah ouais, c'est sympa. Attendez, ça peut s'éloigner, chef. Parce que je me dis, peut-être vous pouvez faire quelque chose pour moi. Et en fait, moi, j'ai besoin de rien, vous savez. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, il y a 4x4 qui a failli vous éjaculer sur votre... Ah bah, oh, mais je l'ai esquivé, non? Oui, alternatif, oui. Moi, je l'ai esquivé. Oui. Moi, je vous dis, j'ai esquivé. Je suis pas encore là-bas. Ouais, voilà. Et comme vous êtes, je sais que vous êtes une sommité, monsieur Adrien. Oui. Peut-être vous pourriez m'aider. Ouais, faut pousser un peu mon dossier au gouvernement, je sais pas. Alors, moi, j'ai sans prétention. J'ai juste besoin d'avoir l'autorisation de pouvoir conduire le camion, parce que je sais conduire le camion. Déjà, j'ai déjà été routier. Moi, voilà, je voudrais faire un petit transport de frais. Je vais chercher la marchandise au point A. Je la charge. Je l'amène au point B. Je décharge. Alors, voilà, le client est content. Moi, je passe un bon moment parce que ça passionne. Vous déchargez seul ou pas? Ah ben, j'aurais certainement un petit employé. Voilà. Ah, pour travailler décharger. À deux. Ouais, pour décharger. Ouais, voilà, ouais, pour décharger. On déchargera à deux. Ouais. C'est mieux, non? Si vous fait rien. Rien du tout. Voilà, c'est que ça me fait plaisir de parler avec quelqu'un qui est intéressé par le sujet. Bah non, parce que moi, à la limite, si vous faites ça tout seul. Ouais. Mais après, j'ai peur quand même que si vous déchargez tout seul, ça vous fasse pas forcément évoluer socialement. Alors, quand on décharge à plusieurs, c'est tout de suite un peu plus sympa, quoi. Bah oui, c'est plus sympa. C'est festif. C'est festif de décharger à plusieurs. C'est des camions de quoi? Vous transportez des yaourts? Ah non, alors j'ai plein de clients là, j'ai plein de clients, j'ai son case, c'est potentiel, j'ai le Beaver Pepper, j'ai l'hôpital aussi, c'est intéressé là pour le bandage, tout ça, ils veulent de moi, et même le policier. Ah oui, j'ai Prospecté, c'est pour ça que ça m'intéresse, j'ai Prospecté. Et voilà, et du coup, j'ai pas le camion, vous voyez, si vous pouvez pas avoir le camion par hasard. Bah là, comme ça, non, je vais pas vous le chier, mais après, je peux me renseigner, oui. Ah, parce que moi, voilà, si vous obtenez un camion énorme, voilà, un vrai beau camion qu'on peut transporter le frais... Ah, moi... bah, bougez pas. Ne bougez pas d'ici, parce d'accord. Parce que, attendez, non, écoutez-moi, non, parce que moi, pas, je vous l'achète, pas, moi, pas, je vous bougez l'achète. Bougez pas. Oh, partez pas, qu'est-ce qui se passe? Non, je partais pas, j'allais me renseigner auprès de Barry. Ah, d'accord. Ah, Barry, il est là, Barry? Oui, il est dans la voiture, oui. Ah, il vient même pas me dire bonjour. Barry, sors pas de ta voiture, mais fierté! Radio Boom Boom, c'est une institution. Ah, d'accord.
Maintenant, il fait le camion. Je me renseigne et je vous dis, d'accord. Oh, le plus gros camion que vous ayez, moi je fais pas la. Attendez, je fais pas la quête, hein. Moi je vous demande pas de me le donner ou quoi que ce soit, de me le louer, quoi. Moi je vous le paye cash. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, ouais, moi, si vois, vous... oui, mais bon, et alors, moi, si vous me tirez l'épine quoi, du pied, ouais. En plus, moi, après, vous m'appelez, vous me dites, t'as Marcel, c'est le doyen, t'inquiète pas, j'arrive, jeune. Qu'est-ce que tu veux que je transporte? Tu veux que je transporte des meufs? Tu veux que je transporte la voiture? N'importe quoi. Moi, je te transporte tout ce que tu veux, jeune. Bah écoutez, avec plaisir, mais oh. il faut que je Patrick, vois ce qui est possible. Ah, bah vous me dites ça quand, parce que vous m'avez impatienté là. Hein? Mais vous venez me le dire. Ah ouais, je sais, ouais, mais quand est-ce que vous saurez? Bah, je sais pas, moi, la semaine prochaine. La semaine prochaine? Ah ouais, d'accord. Quand même. Ouais, mais pas de problème. Ouais. Pas de problème. Vous m'oubliez heure, pas. Monsieur, hein. Je lui demande des pièces. J'ai mal partout, je me suis fait péter la gueule, j'ai mal partout, ça fait mal. Putain! Vous voyez l'homosexualité à quoi ça nous pousse de nos jours? Vous avez une belle voiture, les jeunes, hein? Bon, je vous laisse, si vous me cherchez, faut que j'aille racheter plein de trucs à la con là. D'accord. Ça me casse les couilles et ça me casse les burnes. Voilà. D'accord, je comprends, je vous laisse. Potters. Potter. Ça fait brise le corps. Il y a assez de place dans la voiture? Bien sûr que oui. C'est pas, mademoiselle. Alors, où sont les seigneurs de la médecine? Non, mais c'est bon à savoir, genre, pour les... Bonjour, les jeunes, ça va? Bonjour. Bonjour, monsieur. Sont où les seigneurs de la médecine? Ah, ils sont là! Putain, oui, ni... Sont où les seigneurs de la médecine? Il n'y en a qu'un? Il n'y en a qu'un seul de médecin, là? Qu'un seul médecin, monsieur, il faut attendre. Ah, très bien. Bon. Ah bah écoutez, je vais vous laisser à vos chants de Noël, hein. Frappez-vous, bordel, bande du sang, frappez-vous. Pas moi. Vous niquez, bande de chiens, putain. Oh les jeunes, calmez-vous, qu'est-ce que vous faites là? Faire la bagarre à Alger. Qu'est-ce que vous faites, les petits? Oh, c'est la singerie ici. Aïe, nul. Et moi j'ai pas payé pour cette merde là, bordel. Mon dieu, dis. Des chimpanzés, voilà ce que vous êtes, dis. C'est bon, tu l'as trouvé, t'arrives à le payer? Vous comportez comme les animaux, dis. Oh les gens, vous avez aucune fierté ou quoi? Oh, salut les petits, comment ça va? Ah, y'a encore des mecs là-bas. Et qui c'est qui se tape? Là-bas, il est Dada, c'est Dada et son équipe, on les a niqués, ces chiens. Pourquoi? Ils ont fait quoi? Parce qu'ils nous niquent, ils nous pètent à nos voitures, on les baise. Oh, normal. Ah ouais, t'es sérieux là, tu roules? C'est tout à Marcel, j'y vais, hein. Et femme au volant me retournant, je te le dis. Aïe, aïe, aïe. Attends, tout à l'heure, il y avait... Ça rigole pas, hein.
Monsieur Johnson est disponible, monsieur Johnson? Docteur. Docteur. Ah oui, il m'a donné le numéro du psy. Il n'est pas là. Et Samantha, elle est là, Samantha? Docteur Samantha, parce que je voudrais commander des médicaments, en fait. Elle n'est pas là. Et Sand, il est là, Sand? Docteur Sand. Il est pas là non plus, parfait. Bon, mais très bien. Et je le sens, il est pas là, hein. Cop, je le sens, il est pas là. Et le capitaine, il est pas là non plus. Ça a toujours le coup d'appeler le capitaine pour l'insulter un peu. Impeccable, il n'y a personne. Je vais aller garer la bête. Hein. Assiste. Bonjour, ces espèces de petites bites là. Oh, on n'est pas arrivé. Hein. Oh, vitesse, c'est ma passion. Putain, je vais à 180 km. Alors, comme quoi cette voiture? Tout le monde dit oh, le patron. C'est vrai que c'est de la merde. Alors, j'ai toujours un projet de scooter. Je devrais envoyer du bébé poney. Demain, on va faire un scooter. Je sais pas si je parle de Sandé qui goûte pas, les gens. On pose la question. T'es un quad, ouais, mais où est-ce que j'achète un quad? Je trouve un quad. Tout le monde me dit que du bien du quad. Il me faudrait un quad. Je peux pas en acheter de quad. Tiens, cette voiture. Ne serait-ce que pour ça, ça valait le coup. Hop. Hop. Oh la conne de ta mère, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez en plein milieu de la route, là, j'ai failli vous rentrer dedans. Oh monsieur. Ah ouais, mais faites attention les gens, failli vous rentrer dedans. Il y a un monsieur qui a eu un accident justement. Ah d'accord, ça va alors. Mais mettez-vous mieux là, comme on voit bien que les éclairages. Je vous ai pas vu, je vous ai pas vu. Failli vous faucher comme un enfant, vous êtes habillé en noir. Ah oui, mais c'est parce qu'on travaille à la boucherie, oui, c'est pour ça. Coup, les gars. Parce que quand on est boucher, on est habillé en noir. Ah oui. Ah non, ça va pas, j'ai failli me faucher un comme une vache. Oh le monsieur là, un peu KO là, ça va ou pas? Vous avez appelé le médecin? Y'a pas de médecin, y'en a pas, vous avez pas de médecin. Oh putain. Bon, je peux me permettre, vous devriez laisser vos moteurs tourner, comme voit, parce que là j'ai failli me rentrer dedans. Eh
Ouais, c'est ce qu'on, ouais, c'est ce qu'on va faire. Avec les éclairages là, vous savez pourquoi on était pas comme ça là, regardez là. Vous voyez l'idée? Elle est belle cette bagnole là. Allez, je vous laisse à votre boucherie. Ouais, salut. Je vais l'avoir le camion, je vais l'avoir. On va arriver à avoir un camion, on va y arriver. Un bon gros camion. Ah ouais, j'ai fait rapide là. Je me suis surpris moi-même, tiens. C'est quoi ce Calari? Ah putain! Je l'avais oublié cette merde. Pardon, ce magnifique véhicule. Putain, franchement, elle est belle. Hein. Ouh là là! Alors attends, je crois que dedans. Pas du tout. C'est pas dans lui. Pas dans lui, ça doit être derrière alors. Putain, où est-ce que j'ai foutu mes analtalgiques? Bon, tant pis. Quand tu conduis avec ça, ça fait tout drôle. Tu as l'impression, tu as peur dans les virages, mais en fait, déjà, faut pas avoir peur parce que les virages sont tes amis. Regardez ça, j'ai eu peur alors que j'ai pas à avoir peur. Il y a même de bien qui a fait ce véhicule, tiens. Honnêtement, il est bien fait. Hein. Oula ma mignonnette, oula. Incroyable, dis, une tenue de route extraordinaire. Putain, on voit pas à 2 mètres, c'est un truc de fou. Hein. Ah voilà. Ah, je revis. Ah, quelle excellente acquisition. Oh putain. Bon, demain, on voit pas la route. Hein. Je pense qu'il faut que je me base au petit machin du milieu. C'est une bonne idée, ça. Elle n'a plus. Parfait. Impeccable. Ah, je vais mettre entre les deux machines du milieu. C'est pas une excellente idée. On voit pas la route.
sait pas où elle est la route. Un coup il y a la route, un coup il n'y a pas la route. Comment on fait? C'est compliqué. La route disparaît. Je sais pas, c'est pas facile. Hein. Du coup, on peut pas rouler comme un foufou. Hein. Ça va plus assez moyen de main quoi. Vas-y, laisse tes affaires au milieu, tu te diras rien. Ah ouais, merde, c'était par là. Oh putain, oh je tape de sommet là. Oh putain de dieu. Fallait y aller dans le mur. Je voulais aller où? Ah oui. On a oublié. S'ils sont pas là. Ils sont peut-être là les serrariens. Que j'aimerais bien savoir où ça en est cette histoire là. Voilà, c'est un avion, c'est pour ça qu'il y a une aile à l'arrière. Il n'y a personne. Incroyable. Ah, que je vais être obligé d'aller au palais de justice, ça va pas traîner cette histoire. Hein. Aïe. Putain, ton amène, j'ai rien. Incroyable. On a vu ça? Vous êtes estomaqué ou pas? J'ai rien. Rappelez. Ta main, j'ai rien. Incroyable. Je n'ai rien. C'est miracle. Le véhicule n'a rien. Oh, je n'ai rien. Ah, ça, c'est incroyable. C'est juste miraculé. Je n'ai rien. J'ai pris un poteau en béton, je n'ai rien. C'est incroyable. Incroyable, jeune. J'ai rien. Oh, oh, bourré l'incroyable. On voulait peut-être... La queue de ta mère. Quoi? Oh, le feu rouge, tu l'as pas vu, jeune. Ah, tu peux pas me parler, non? Qu'est-ce que... Quoi? Tu me rentres dedans parce que tu grilles un feu, je vais bien te parler. Vas-y, arrête-toi, on va discuter, jeune. Tu peux bien te parler, il me dit, lui. Oh jeune, tu l'as pas vu le feu qui était rouge pour toi? Si il est vert pour moi, il est rouge pour toi. Et toi, ah tu bon, feux, t'es sûr de ça? Ah, je suis certain, ouais, jeune, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et toi, tu feux. C'est pas mal comme ça, hein. C'est pas non plus comme si j'avais détruit ta voiture, hein. Oh, ouais, enfin, excuse-moi. Ouais, désolé, mais bon, t'évites de parler comme ça, en fait, quand oh, même. Oh, ouais, mais c'est une expression, jeune. Non, non, ça se fait pas ce que tu as fait, par contre. On est d'accord, jeune. Bah après, ouais, ça va, je t'ai pas non plus éclaté. Mais non, ça va pas. Monsieur, c'est bon, on est des grades de personnes à s'en sortir, ça vous, là. Pas besoin de chapeau. Passez une bonne journée, au revoir. Bon, ça, au revoir. Si j'ai envie de rester, je reste ici. Oh là là, alors, venez monsieur, apparemment on est tombé sur un gagachou, là, venez on va discuter là, voilà. Ouais, je vous disais, voilà. Ouais, ouais bref, ouais, du tête coup... de con, voilà, que tu rends des comptes, cette ville rend les gens stupides. Bah c'est le sud, c'est la neige, dans le voilà. Sud, ils sont pas habitués. Je vais... Ouais, du coup, désolé, mais bon, pas besoin voilà. De crier comme ça. Ah, mais c'est une expression que je suis énervé, voilà, moi je suis sanguin, voilà, vous voyez. Bon, c'est ouais. Pas grave, ça range à l'amiable. Ouais, bon... Qu'est-ce qu'il y a ouais. Parce que...
Ah bah parce que vous avez pas abîmé la peinture, c'est quand même pas... Wow, c'est pas... Ah, un petit peu quand même, jeune, un petit peu, ouais, voilà, voilà, voilà. Ah, c'est 100 dollars, on n'en parle plus, je vais faire refaire la peinture, et puis voilà. Oui, hop, le petit pourboire qui va bien. Oh putain, 1 dollar, dis, oh, tu es flambant, jeune, merci, j'apprécie. Ah bah allez, j'ai pas de moteur, je suis pas occupé, du coup, oh, désolé, je te laisse, à la prochaine. Laisse. À la prochaine. Ah, bonne journée, Jeanne. Ah, merci, hein. Tu es honnête, rien. C'est beau, franchement, c'est beau, faut le noter. C'est pas grand chose, ça te fait plaisir. Donc, ouais, Tonton Marcel, je m'appelle. Et si le jour tu me croises, ouais. Tu as besoin de moi, tu m'appelles, pas de problème, Jeanne. Pas de problème, allez. Oh, t'es enculé, hein. J'ai cru que c'était l'autre enculé qui m'a... Il m'a mis un petit coup là dans la voiture, j'aurais chopé et j'aurais massacré. J'aimerais bien voir un médecin. Afin de lui acheter des analtalgiques. Hein. Pas trop envie de laisser ma voiture là. Je m'achète un vélo. Oh la bonasse, t'es encore là, toi? Pas le temps, coquille, ouais, va. Dégage de là, ton quart du sud, ouais, dégage. Ton quart du sud. J'ai un pied comme ça. Tranquille, hein. Je vais en acheter combien ça 200 dollars. J'achète ça, on n'en parle plus. Bonjour les jeunes, ça va? Dites-moi, il est médecin un peu à l'intérieur ou pas là? Ça va, je sais pas, aucune idée. Ah, très bien. Tout à l'heure, on savait pas pourquoi. Ah, salut. Il semblerait que nous n'ayons pas de junte médicale à portée de main. Tenter l'appel à l'intérieur. Pour se tenter. Excusez-moi, messieurs. Excusez-moi de vous déranger, dites-moi, étant donné qu'il n'y a pas de médecin, peut-être que l'un de vous pourrait m'aider. Est-ce que par hasard vous auriez en votre possession des bandages Non, absolument rien sur moi. Des petites pilules. Hein. Non, rien du tout, désolé. D'accord. Les pilules du bonheur Là, juste des antidouleurs, ça suffira, mon ami. Bah, moi, je serais vous, j'irai chercher un petit peu de potiron. Un petit peu de quoi? Un petit peu de potiron. De potiron?
quoi ce que je mange? Ah ouais, du gratin de poitrine. Mais excuse-moi, jeune, tu es complètement gaga. Tu t'es branlé contre quoi là? David, ça va pas là? Tu te la touches tous les matins? Qu'est-ce que tu fais? Ah non, moi j'adore ça. Comment? Le gratin de poitrine, wow, c'est très très bon. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Alors on va se faire une petite branlette cérébrale tous les deux, d'accord? Tu vas m'expliquer comment est-ce que le potiron pourrait guérir un mal de crâne, ça m'intéresse. Et donc, en fait, toi, quand tu as un cancer, tu te tartines dans la gueule de merde, c'est ça? Exactement, monsieur. C'est pour ça que médecin, c'est un métier, une vocation, et que surtout, ne tente pas, hein, parce que tu n'es pas doué. Ah, moi, c'est pas mon truc, hein. Je voulais non, c'est pas ton truc, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah oui, ça déconne. Vous vous rendez compte? T'as la jambe cassée, prends un peu de potiron. Ah, c'est bon, le potiron. Une plaie ouverte, pas de problème. Tartine-la avec du bon gratin de potiron. Tu es un médecin, toi. Hein. Excuse-moi de te tutoyer, hein, mec. Ouais, vas-y, tutoie-moi, jeune, y'a pas de problème. Vas-y, sois un familier. En fait, tu vois, on m'a dit. Bah, ouais. On, c'est un con. Ouais. Mais ouais. Quelques personnes. Oh, y'a pas que un qui est con ici, hein. Ouais. Mais monsieur, continue, déroule. Excusez-moi, on m'a dit des recettes de grand-maman, de grand-mère. Ouais, de vieille, quoi. Non, de grand-mère. J'ai une voiture, il me semble que je la connais, si je peux me permettre. Ouais. Allez-y, ouais, alors, c'est une recette de grand-mère. Et voilà. Elle s'est fait un bon café? Non, elle s'est tartinée, tu vois, du potiron sur le crâne. D'accord, ouais. Ouais, c'est une bonne maman, en gros, quoi. Une recette de grand-mère, quoi. Ouais. Et tu vois, c'est comme de la citronnelle, c'est comme de... Tu vois, ouais, en fait, je veux pas te vexer, mais face à la mortalité, je préfère induire quand même le capital survie grâce à la médecine moderne plutôt qu'au bon plan de bonne maman. Parce que, excuse-moi de te dire ça, la confiture et du café, ça a jamais sauvé la vie, hein, face à Ebola. Il vaut mieux les antiviraux. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Ah, tout comme la médecine moderne. Ouais. Oh là 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 là. Toi, tu es un phénomène. Toi, tu es un phénomène. Il se produit un spectacle, messieurs. Vous êtes sur les impresarios. Aucune idée. Soit il est gaga, soit il est extrêmement doué. Mais dans tous les cas, il faut faire quelque chose. Là, il y a du potentiel. Franchement, il faudrait une salle entière. Hein. Tu es un petit comique, toi, non? C'est pas tous les jours qu'on en voit des comme ça. Ah, je vous donne le nom du spectacle. Hein. À la médecine à l'ancienne, avec lui déguisé en médecin, avec un petit sourire de gaga. Ce sera parfait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux remercier la médecine moderne de ne pas t'avoir laissé mourir quand tu étais né, toi. Hein. Ah non, j'ai eu un hélicoptère. Tu as eu un hélicoptère quand tu es né? Exactement. Oh putain, oh il est fort, hein. Oh, franchement, messieurs, vous avez misé sur le bon cheval, c'est un animal, hein? Oh, tu es un animal, tu sais que tu es un animal? Effectivement. Ah, ouais. Voilà. En plus, il est sûr de lui et tout, c'est beau, hein? Franchement, c'est impressionnant. Bon, alors, c'est pas tout ça, mais j'arrive pas à avoir les collègues. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je sais pas, il dit ah. Bon, je sens tout ça, mais je vais retourner à l'intérieur. Hein. La bonne soirée. Putain, mais il n'y a pas de médecin, c'est un truc incroyable. Oh putain! Oh putain, je vous cherche partout! Comment vous allez? J'arrive. J'ai besoin de vous allez bien ou quoi? Du coup, numéro 2, j'arrive d'ici 10 minutes, ça te va? Putain, numéro 2, on dirait une entreprise, on dirait le MI6. Non, mais t'inquiète pas, je vais passer, t'inquiète. À toute. Donc oui, tonton. Ça va ou quoi, jeune? Dis-moi, je voulais vous acheter des analgésiques, là. Médicaments. On n'est plus en stock. Attends, je vais aller voir. Oh, parce que je vois pas te péter les couilles, tu vois, que ça sert à rien. J'ai rien que quand c'est important à l'hôpital. Hein, parce que j'ai un mal de crâne, je vais pas te péter les burnes. Hein. Et toi, voudrais combien? Je sais pas, tu peux m'en vendre combien? J'ai pas de limite. C'est, si tu me commandes ça comme pour demain, je peux t'en faire une cinquantaine s'il faut. Donc. Ah ouais, 50, c'est bien. c'est 200$ unité. Hein. Ça fait quoi ça? C'est 4 à 200$, 10 000? Attends. Et ouais, c'est ça, 10 000.
Non, c'est pas voilà, la peine de vérifier. C'est juste pour moi savoir, je te l'ai fait pour demain, y'a pas de soucis. Par contre, tu peux m'en passer un peu là pour ce soir, pour me dépanner? Attends, je vais aller voir s'il m'en reste. Attends, mais j'ai ton numéro, attends, parce que attends, bouge pas, je prends ton numéro, d'accord. Attends. C'est Calvin Ross, normalement. Je sais que c'est toi, Calvin. Calvin Klein, je vais t'appeler. Alors, vas-y, donne-moi ton numéro, Jeanne. Et 98. Ouais. 18, 45. Ouais, impeccable. Ok. Bon, je vais voir s'il m'en reste dans la réserve. Ouais, tiens, un petit peu, c'est bien pour vous dépanner, tu vois, une dizaine. Oui, bah, je vais voir. Et en plus, sinon, ça suffit. Je te dis, demain, il n'y aura pas de soucis. Tiens, top, merci beaucoup. Je t'attends là, hein. Il n'y a pas de problème. Oui, allô. Oh, je sais, ça se fait pas de rentrer, mais oh, de l'extérieur, on dirait que vous êtes en train de préparer un mauvais coup, messieurs, c'est incroyable. Je voulais vous le dire, voilà, on vous voit discuter l'extérieur, avec, on voit vos lèvres bouger et tout, vous avec votre t-shirt avec l'étoile qui rayonne, tout ça. Oh, ah oui, l'impression que vous êtes en train de préparer un mauvais coup, je sais pas, les terroristes ou quoi, je vous le dis, vous avez fait ce que vous voulez. Non, on va pas préparer des choses de terroristes quand même. Vous faites peur, hein, à travers la vitre, là, comme ça, on dirait l'intelligence service. Hein. Non, bah, je vous laisse, j'attends le Dorcoteur. Ouais. Oh, je suis là, Jeanne, je suis là. Où il va? Oui, je suis là, Jeanne. Je vais devoir partir dans le nord. Oh, Jeanne, je suis là. Non, mais c'est que j'en avais mis dans une ambulance, je vais les chercher, vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Ah, tu veux que je t'attende ici, du coup? Oui, j'arrive. Oh, tu vas dans le nord? Tu vas faire quoi, Jeanne, dans le nord? Non, je vais faire pas de même. C'est combien de points qui sont sautés? Tu peux passer tout de suite à l'hôpital ou pas? D'accord, vas-y, passe tout de suite, je m'occupe de ça. Attendez, j'arrive, hein. Oh, y'a pas de soucis, Jeanne. Ah bah moi ça va. Je peux te rappeler dans 5 minutes s'il te plaît. Mais non, je te mets pas à râteau, c'est... Oh putain. Mais je peux pas répondre à tout le monde, moi. On est mis à râteau, c'est pas grave, hein. Ouais. Tenez, voilà une petite dizaine. Oh, attendez, je vais vous payer. Ok, bien noté. Fait combien ça dit ça? Fait 2000. Ça fait 2000. Ça marche, hein. Merci à vous. Hein. Il n'y a pas de souci, vous verrez, ça fait, il n'y a pas de problème. Ah, mais je vais en prendre de suite, de toute façon, vous savez quoi. Ah, c'est ça mieux. Donc, ouais. Vous me recontactez demain et puis on voit pour. Ouais, c'est 4, c'est bien, ouais, j'amènerai un véhicule qu'il faut, tout ça rempli. Ah, mais sinon, je peux les livrer si besoin. Ah là là, c'est bon, je viens, vous inquiétez pas. Bah, merci à vous, Doc. Ok, il n'y a pas de souci. Regardez ça, je cours comme si j'avais 20 ans. Allez, bon courage. Merci à vous, Doc! Oui, t'inquiète, je m'occupe.
une galère. Ouais, non, sauf que ça monsieur, c'est la sortie, l'entrée c'est de l'autre côté. Je passe toujours par là, jeune. On s'en bat les couilles, l'entrée est là-bas. Je passe toujours par là, je suis toujours passé par là, jeune. Putain, mais il va falloir le changer un petit peu, mon beau monsieur. Les bonnes habitudes, c'est fait. Barrez-vous du milieu, je passe toujours par là, m'amerdez pas, quand c'est pas m'amerder. C'est bon de changer, si vous changez vos habitudes. Ah, je change pas les habitudes, toi du milieu, jeune. Non, mais c'est bon qu'on gêne un peu la sortie. La conne de ta mère, je passe par où j'ai envie, d'accord. Mais c'est pas incroyable ça, tu vas pas apprendre à conduire, non. Je connais encore, non. Bliette là. La prochaine fois que tu passeras par là-bas là. Maintenant tu fermes ta gueule et tu vas te guérir là-bas. Blaine. Ouais, Brahim, calme-toi, on n'est pas chez Kebabland là, hein. Tu vas te calmer de suite. Calme-toi. Hein. Ah, calme-toi. Ouais, Manouche, ici. Ta gueule, ferme ta gueule, barre-toi. Oh là là, la vulgarité n'est pas une solution, mon bon ami. Il est trop tard pour ce genre de choses. Exactement, il est trop tard pour ce genre de choses, Brahim. Salade tomate oignon, hein, dans mon kebab. Oh, les frites que. Les frites à côté, jeune. Prends. Allez, monsieur, vous êtes rentré. Prends tes médocs, Blaine. Je sais pas, je trouve que Brahim n'a pas été très aimable. Déjà, vous gênez l'entrée, les gars du garage, après, il m'a fait insulter. C'est pas courtois, quand même, hein. Est-ce que tout le monde est désolé de la tournure des événements? Moi, le premier, il suffisait juste de bouger, mais voilà, Brahim apparemment ne comprend pas. Mais c'est normal, d'un autre côté, monsieur doit être d'origine arabique, oui, péninsule arabe maghrébin, avec un homme pareil. Et du coup, il fait tout de gauche, il fait tout de gauche, faites tout de droite à gauche, c'est ça, non? Ah ouais, t'as raison, ouais. Ouais, le mec qui me traite de. J'avais une bien belle voiture. Il a un spoiler derrière sa caisse, s'il te plaît. Alors, c'est pas un spoiler, ça s'appelle. Je t'explique, spoiler égale PD, gros. Pourtant, je fais pas tout à l'heure, tu vois. Ah ouais, ça va, alors y'a pas de problème. Oh là là, ça c'est redoutable. C'est pas un spoiler, vois-tu, c'est un aileron fait avec une pale d'hélicoptère parce que sa voiture va tellement vite qu'elle peut s'être pas antenne avion. Ah, donc en fait, vous êtes pas PD, vous êtes non-binaire en fait, autant pour moi, ok. Non, mais. Oh là là, non-binaire, les jeunes. Comment vous appelez, monsieur? Je m'appelle peut-être Marcel, j'ai dit. Marcel, vous avez dit, je crois. Bah, enchanté, monsieur Alban. Blaine. Et dites-moi, celui qui vomit une diarrhée verbale depuis tout à l'heure, ça s'appelle comment déjà? Celui qui atteint de Gilles de la Tourette, là. Bah, Brahim, Brahim, non, Brahim. Brahim. C'est comme ça qu'on dit ou que ça se passe? Ouais, c'est Brahim, ouais. Attention, hein, parce qu'on pourrait croire comme ça que vous bloquez la sortie, Marcel. Hein. Ouais, j'en ai rien à foutre. Ouais. En général, quand je suis au volant, je suis sale con, je veux où je veux. Et j'ai plus envie de rester ici. Si bien vous êtes un sale con, mais avec une belle voiture comme ça, il faut l'assurer, il faut la pucer. Ah, monsieur, du coup, vous pouvez pas vous permettre de faire. Elle est assurée, elle est pucée, elle est dressée pour revenir au pied de papa. Oh, ce mensonge, ce mensonge. Comment ça, ce mensonge? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Oh, ce mensonge! Elle n'est ni assurée, ni pucée, ni rien du tout, votre voiture. Ça, c'est toi qui le dis, mon ami. Ah, bah, je vous le dis, ouais. Ah, ouais, mais. Il faudrait peut-être passer une assurance pour faire ça. Ah, bah, peut-être pas une de cette île, monsieur. Est-ce que vous auriez pas un petit truc à boire, Marcel? J'ai le gosier très sec. Non, j'ai absolument rien à boire, mais si j'avais quelque chose, j'avoue que t'as donné le peu d'amabilité que vous avez à mon encontre, je vous servirai pas du tout à boire. Il est très aimable, ce monsieur. Oh, j'ai pas été très. Regardez, hop là, regardez comment je suis en train de me délecter cette magnifique bouteille d'eau faite à partir des neiges de sommet éternel. Tenez un peu de jus d'orange. Merci, c'est gentil. Je me régale. Sauf que monsieur n'a pas été très. Ouais, très. Ah, bah, ça a été ce qu'on appelle une tête de con. Bah, non, pas lui. Ah, oui, bien sûr, je suis d'accord. Marcel, donc, je suis totalement ouvert à la discussion, j'ai jamais été aussi ouvert dans ma vie. D'accord, eh ben, garez-vous, comme ça on discute. Qu'est-ce qu'on a de mieux de faire à cette heure-là? À cette heure-là, je sais pas. Apparemment, Brahim, il aime bien insulter les gens. J'attends. Je pense que je vais rester par là, je suis pas mal là. Ben, garez-vous, sortez, on discute. Ah, j'ai pas envie, elle a la tête de corps. Ah, bon, de bah écoutez, restez là. Hein. Ah. Bonne soirée. Bon, Marco. Écoutez-moi, c'est une bonne soirée. Bonne soirée. Oh, Brahim, viens voir, je voulais te dire quelque chose. Oh là là, quelle tristesse! Ah voilà, il est là!
Raïm, avant de partir, je voulais te dire quelque chose. Ah ouais, c'est cool, ouais. Brahim, je voulais te dire à toute gentillesse, parce que tu es beau garçon, je sais que tu es beau garçon. Ah, me chauffe pas trop quand même, s'il te plaît. Non, mais je pense que tu es beau garçon, Brahim. Je compte le rester. Oh, t'inquiète pas, Jeanne, je pense que tu es beau garçon. Je me permets de bien vouloir te dire quelque chose d'important, Brahim, parce que c'est important. Hein. Vas-y. D'accord ? J'écoute. On va te dire de bien aller te faire enculer, de bien me manger les boules et de bien me manger le frein aussi, d'accord? Allez, Brahim, bonne journée, prends-toi ta faciale. Allez, va prendre tes 500 mètres de courage. Ah, je sais, c'était gratuit. Après, je suis vite monté dans la voiture pour m'en aller quand même presque. C'est quoi ça? J'ai le courage, il est pas bien élevé. Ouais, je suis d'accord, c'était gratuit mais efficace. T'es pas les tombés, c'est loin quand même. Hein. Chaque fois que tu dois rentrer, tu le sens passer. Hein. On a vraiment envie de résider à Palais Tauvé. D'ailleurs, j'ai la clé d'un appartement. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais te rentrer là. Oh les jeunes, vous êtes arrêtés en plein milieu là. J'ai failli vous rentrer dedans, je vous ai vu à la dernière minute. Faites attention un peu. Bande d'arrêt d'urgence, hein. C'est loin. Ouais, comme c'est loin. Paria, disons que c'est supportable. Tout juste supportable. Bon, ben voilà. Voilà. Yeah. Voilà. Bon, bah écoutez, petite session sympa, on est content. Le serveur remarche, on aime un peu poser des bases. Et demain, on va partir chez des trucs cool.